Bon, bah encore le petit camp hein, qui se peut, voilà, bah qui vit hein, comme d'habitude, hein, pas de problème. Et on va partir pour faire une petite randonnée autour du lac de Graon. 12 km. Il faudra qu'on soit en forme. Bon, petite baignade entre deux, ça rebooste. Ça repartit. Bah, c'est des gamins, il faut qu'ils suivent quoi. J'ai déplacé le bus, je l'ai mis là-bas. Parce que niveau panneau solaire, c'était zéro ici. Ça allonge toute la journée. Donc là, c'est mort. Voilà, voilà. Allez, c'est parti pour une petite randonnée de 12 km. Alors, qui va la tenir, qui ne va pas la tenir? Ah ah. Ouais. T'as tenir le coup, toi, petit Francis? Oui, je pense que avec la bouteille de Ricard à l'arrivée, je devrais aïe, aïe, aïe. Quelle équipe de vainqueurs! Donc voilà, on est toujours sur notre petite randonnée, bien sympa d'ailleurs, autour du lac. Et regardez, petite pancarte au fil de l'eau. Et ben, c'est très important de reprendre cette conscience-là. Hier, c'était l'homme qui se déplaçait vers l'eau. Aujourd'hui, c'est l'eau qui est acheminée dans des tuyaux et qui occasionne une consommation importante. Eh oui, quand on n'a pas besoin d'aller chercher de l'eau, par exemple comme nous en nomade avec le bus, on est obligé de chercher des spots pour l'eau. Donc du coup, on fait beaucoup plus attention. J'arrive. Et ouais, et ça, il faut prendre conscience du gaspillage de l'eau qu'on peut faire. Comme cette petite phrase qui est très bien. Le chemin situé en face de vous donnait autrefois accès à la rivière Graon, où l'on amenait à boire pour les vaches. Aujourd'hui, un Français qui consomme en moyenne 137 litres d'eau par jour, répartis en. Nous, on est 8 dans un bus, on a 500 litres d'eau. Si on consomme 137 litres par jour, on ne tient même pas une journée. Voilà, c'est important de reprendre conscience de notre consommation. Regardez comme c'est joli cette petite maison là. Ah ouais, sympa, ouais. Bien fleuri. Très joli. Ça fait plaisir. Très sympathique. Avec du fenouil. Un petit goût d'anis. Oh, c'est parce que là, il n'y a que du fenouil hein, ici. Petit goût d'anis. Allez. Petite pause baignade, hein. Les randonnées c'est bien, mais la baignade c'est bien. À mon avis, ça, ouais, ça plonge d'un coup le truc là. Je pense qu'elle est super bonne. À mon avis, elle est super bonne. Vas-y, on peut aller dedans. T'as papier, Lily, t'as pas de bouée. Je crois que je vais y aller en fait. Oui, y a pas de bouée. Bon alors, c'est bon les petites murs sauvages. Ouais. Hein. Ouais. Je crois que vu la tête à Lily, je pense que c'est bon. Tu vois ta tête, Lily? Ouais. Je crois que t'en as un petit peu sur la joue, là. Ils sont bonnes, les murs? Ouais. Tiens, il y en a là, regarde. Si vous arrivez à les attraper, là. T'en as en haut, là. La grosse qui est là, regarde. Où il y a mon téléphone. Ah non, elle est trop haute pour toi. Tiens, où là, t'en as là? Ouais, presque. Quoi? Il y a quoi? Les cynorhodons, mais ils sont pas mûrs là. Les cynorhodons, bah oui, parce que Jojo, il mange les cynorhodons. Où est-ce qu'il y en a des mûrs? Les cynorhodons, en fait, c'est le fruit de l'églantier, le rosier sauvage. Eh oui. Il y a des mûrs? Ah bah ça, des mûrs, il y en a plein. Ouais. Voilà, alors là, il y a le Gaulois et Rémi qui sont partis à la nage pour traverser. Parce que là, on a fait un tiers des 12 km qu'on avait prévu pour faire le tour du lac. Et donc du coup, il y a deux courageux qui traversent parce que là où il y a la voiture rouge, là, il y a le bus pas très loin. Et donc ils vont nous ramener un ou deux véhicules pour qu'on puisse rentrer en voiture au lieu de continuer tout le tour par là. Parce qu'on a dû faire quoi? Ouais, 4 km sur les... Non, même pas. Ouais, 3-4 km. Les clés sont au-dessus du poste normalement. Ouais. Adieu. Adieu. T'inquiète, le passé, c'est de l'autre côté. Oh putain, j'arrive. Mais t'es pas calme. Pourquoi je vais traverser alors que je pourrais rester assis à l'écran? Comment je savais que t'allais pas traverser? J'ai envie de traverser, mais j'ai peur de me retrouver bloqué au milieu. Quand t'es pas parti avec eux. Ils sont arrivés. Voilà, alors ils disaient 10 minutes pour la traverser. J'ai chronométré, ils sont à 4 minutes 05. Ils étaient loin des 10 minutes. Hein. Bravo. Tu l'as arrêté? Il s'est arrêté? Je chronomètre pas, je te filme. Je chronomètre pas, je te filme. Ah non,
Voilà. Léa qui va rejoindre Obélix. Léa qui va rejoindre Obélix. Mais je pense pas qu'elle va y arriver. Là, les enfants se sont baignés là-bas hier. Et regardez ce petit principe là. J'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vu en vrai. Avec le feu, ça chauffe une espèce de bite, pardon, mais ça ressemble à ça un peu. Un téton, un truc. Par contre, on ne sait pas comment ça marche, mais ça produit de l'élec. Donc là, il y a un petit ventilo pour attiser la combustion, on va dire. Donc tu fais chauffer une gamelle en deux-deux, quoi, avec des petits bouts de bois comme ça, tranquillou. Et en même temps, tu peux charger ton téléphone via le feu. Ça, c'est mortel quand même. Bon, on sait pas comment ça s'appelle, mais bon, la marque, c'est BioLite. Voilà. C'est Campstove 2. Ça vaut cher? Ouais, quand même, ouais, à mon avis. Il faut compter quelques centaines de balles. Et c'est des, comment dire, c'est des merdes technologies qui viennent d'où, ça? Je sais pas. Ils ont développé ça, c'était pour les Africains, à la base. Ah ouais. Faisaient. Et ils ont sorti... Attends, les Africains, ils ont du solaire, hein. Attends, ils ont du soleil à gogo. Mais pour cuisiner, tu vois, ils ont pas beaucoup de ressources en bois et dans des coins secs. Donc là, ton machin, tu l'as jamais rechargé à rien, quoi. Là, c'est que le feu, là. Ouais, je fais en sorte de... Parce que tu peux aussi, sinon, le recharger, on va dire, autrement. Bien sûr, ah, ouais, ouais. 220 volts, tranquille. Ah oui, voilà. Ouais. Bon, bah voilà. Bon, voilà. On se retrouve entre poteaux à faire la tambouille, à la bonne franquette, avec des gens qu'on connaissait même pas hier, hein. Bonsoir. Salut, par exemple Henri. Et ça, c'est cool quand même. Je les ai rencontrés hier, ils sont assez sympas. Ouais. Et moi, c'est les petits moments que j'aime bien, ça. Prendre le petit apéro, éplucher les légumes, faire la tambouille, tranquillement. La même chose avec la vaisselle. Ouais, après la petite rando. Et ce que j'adore, alors ça, c'est un truc, voilà, faire la vaisselle dans la rivière. Ça, c'est bon, ça. Ouais, parce que tu prends tout et tu jettes contre les... Même les verres. Voilà. Après, faut éviter les cailloux, c'est tout. Après, t'as plus qu'à l'acheter. Alors, Henri nous a fait une petite boîte de... Merci. Ah, attends. Bœuf bourguignon. Oui, mais Williams, machin. William Sorin. William Sorin. Bœuf bourguignon. Pas de pub. Ouais, bon, on s'en fout. Il va être démonétisé. Non, alors là. Avec son petit réchaud là-bas, là, tranquillou. Ben écoute, ça nourrit son homme. Hein. C'est pas mauvais, hein, j'ai envie de dire. Pas mauvais, hein. Non, je suis en train de faire un tout pour la même, moi. Donc, on est en train de faire les légumes de Luc et Nelly. Ceux qui nous ont accueillis sur leur terrain, qui nous ont donné deux cagettes de légumes, quoi, franchement. Voilà, on va se faire un bon petit gratin de pâtisson, blette, pâtisson, blette, patate, avec du gruyère, la béchamel. Et Erwan est en train de nous faire la béchamel là-bas dans le Cap-Tart. Beaucoup d'amour, hein. Hein ? Beaucoup d'amour, toi. Ah bah toujours de l'amour, toujours de l'amour. Par contre, on va peut-être pas, tous les deux, peut-être pas. De l'amour et de l'apéro, surtout. Ouais, c'est ça. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a un mec qui s'appelle Petit Pastis, mais il boit tout seul. Santé pour lui. Il boit tout seul, l'enfoiré. Rip, Petit Pastis. Ah ouais, t'aurais pu m'en servir un bien fait. J'y vais de suite. Non, j'y vais, t'inquiète. Bon, bah, ça avance bien, cette petite tambouille pour préparer le gratin. Et bah, vous savez quoi, ça me motive bien pour mon petit projet de communauté nomade. Je pense que ça peut le faire, hein. Mais il faut que ça soit nomade. Parce qu'en fait, ces gens-là, là, je pense que au bout d'un moment, bah, tout le monde branlerait plus rien, on s'en foutrait tout le monde de tout. Tandis que là, on est dans l'alchimie de la rencontre, et c'est ça. Du coup, on est tous motivés, hein. Ah, ça va être bon, ça. Un bon petit site communautaire nomade. Il y aura toujours des nouvelles personnes avec plein d'énergie qui vont arriver. Et tous ceux qui, bon, commenceront à se lasser, bah, ils partiront ailleurs. C'est tout. Bah, casse-toi. Casse-toi, connard. Casse-toi, tu. Ah, tu vas nous suivre en Normandie. Marche à l'ombre. Voilà, ça bosse, ça bosse. Ça épluche, ça bricole. Bon, bah, encore une bonne petite tambouille de Gaulois qui se prépare. Hein. Ça crépite là-dedans. On va faire revenir tous les légumes, donc le pâtisson, il y a plein de trucs. Pour faire notre petit gratin après, au four, ça va être impeccable. Ça, c'est de la gamelle. Non, c'est pas toi que je veux. Thank you.
Il se passe quoi par là, là? Allez. Oh, on a retrouvé Père Nono. Allez. Non, normalement, tu dois dire ta gueule, connard. Ta gueule, connard. Ah, ça... ah. Allez, t'aimes pas les chatouilles? J'ai quand même une petite crotte de nez. T'aimes pas les chatouilles? Arrête. C'est bon, c'est bientôt fini, là. Et après, c'est en train de voir. Arrête, là, tête de... Enfin, qu'est-ce que je ferais pas pour boire un pastis? Ah. T'arrêtes? Santé les abonnés. Ah bah c'est marrant, il boit du pastis comme Père Nono. Mmh. Il y a des poils. Ah, c'est non, il y a pas de poils. Allez, finis-moi. Finis-moi. Fais-lui les sourcils. Non. Si. Non. Mais si, faut que tu les fasses, qu'est-ce que non. Oui, mais non. Ouais, mais au ciseau. Oui, mais non, il a dit. N'importe quoi. Là, il a dit oui, mais non. Ah bah oui, c'est sûr. C'est parce que je nous, on l'a fait au rasoir. Bah hein. Oui, je l'ai fait à Père Nono. Et puis ça, là, les poils des oreilles, là. Attends, arrête. Attends, parce que t'as pas fait le... Attends. Je m'en parle un peu. Ah, je te jure. Ah, l'équipe de vainqueurs. Ah, ça pique. Ah non, au rasoir, t'es une tête de... Laisse tomber. Enfin, un martien, quoi. À sec. Ah non. Plus de cheveux, plus de barbe, plus de... Et après, c'est à toi, hein. Ta touffe là. Comme ça, là. Ta touffe mes touffes là. Non, non, c'est pas moi. Si, si. Non, puis après, non, c'est au beau gosse là. Non, non. Si, si. Non, si, non. Si, tu vas passer mon père. Si, si. Non, papa, moi sur le côté. On va te bloquer à 15. Et Jérémy, il a essayé de lutter, il a pas réussi. Ouais, bah, essayez. Bon chance. Bon chance. Bon chance. Mais jamais vous. Non, moi je veux toujours. Il faudra un sabot. Mais c'est pas des sourcils, c'est des troncs d'arbres. C'est pas des sourcils. Non, mais là. Attends, faut un tailleuel, machin. Enfin, ta gueule, là. Ah ouais. Arrête de bouger parce que je vais te couper. Ah, je te jure. Bon, puis là, en fait, on a un martien qui s'est perché dans un arbre. On a commencé... Ouais, bah, attends. On a le glo... non, la denrée qui est venue avec sa soucoupe. Voilà, j'ai fini ma petite gamelle, ma petite tambouille, là-bas. Hein. Et l'autre, il m'a dit... Donc le gratin est presque prêt. Eh. Béchamel. Légumes, les plats pour le gratin, manque plus que le gruyère. On va mettre tout ça au four. Mmh, un 10, un 10. Bon, ben voilà. Voilà ce que ça donne, le petit gratin. Ça n'a pas l'air dégueu. Hein. Franchement, quand on s'est rencontrés, j'espère que les patates sont assez cuites, hein, mais bon. Ah ouais. Bon appétit. Un vrai délice. À la bonne franquette, comme on aime bien. J'ai envie de dire, elle a pas l'air dégueu ce petit gratin des familles. Ouais. Elle a l'air bien, bien bon. Mmh. On sent qu'il y a de l'amour dedans quand même. Ah ouais. Ah, il a tout mangé lui. Ouais, j'ai tout mangé. Ah, c'est, ça c'est de la bonne bouffe. Ah bah reprends-en, il y a encore un plat. Hein. T'avais peut-être raison, hein, peut-être le dégommer. Oui, mais j'étais sûr. On a une bonne idée. Ça dépend, parce que des fois, en fait, à l'apéro, on mange tellement de conneries, mais non, mais c'est de ça, pâtés, c'est... de trucs, c'est... qu'on arrive au gratin, là, on mange plus rien. Des grillades, tout ça, mais là, c'est bon, le goût. Très bien comme ça. Non, pas ouais. Ouais, on est en train de manger à 21h. À mon avis, on est malade. Peut-être ça manque un peu de sel, moi, je sale pas, donc. Mais les végétaux. Ouais, d'ailleurs, est-ce que vous sentez le goût de la blette, le goût du pâtisson? Je pense pas, hein. Ah ouais, mais t'inquiète, je vais... Ouais. Si, si. Mmh, t'inquiète. Ouais. Ouais. Et le chaudron, elle n'aime pas? Non, mais en fait, ceux qui boivent, ils mangent pas. Faut le savoir, ça. Moi, je bois pas. On boit pas, nous. Bon, ça y est, Léa, elle a enfin trouvé son copain. C'est pour toi. Oh, punaise. Il fait combien, celui-là? Un mètre? Un mètre, je pense. Ah ouais. Ça, c'est du vrai sauciflard. Ça, c'est du vrai sauciflard. Ça rigole pas. Il fait. Ah, ses abonnés, ils exagèrent. 380 grammes. C'est pas ça que je cherche. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà, un saucisson. En occasion, panneau solaire, machin. J'ai failli oublier le bon, bah voilà. Bon, bah voilà. Mais arrête, je suis en train de m'en détacher. Pas possible, ça. Bon, petit pas. Fais gaffe au néon, un peu. Non, mais fais gaffe. Là, bon, petit pastis a envie d'être lapidé, oui. Sur la place publique. Oui, non, jetez-moi des œufs. Oui, jetez-moi des œufs. Ah bah bravo. Ah bah bravo. Ouais, ça va plus vite. Bon, si vous avez des panneaux solaires, quelque chose, pensez à moi. Oui. Je sèche. C'est ça. Et regardez qui c'est qui est venu me faire un petit coucou. Il est beau là, attendez, dans le contre-jour là.
Viens là, toi. Ben et Daniel, des anciens collègues. Mais la t'es encore ancien. Hein? T'es encore là, mon pote? Ouais, je suis encore là. Sauf que la différence entre eux et moi, c'est qu'ils y retournent dans une semaine. Pas moi. Pas le retraité. T'es à la retraite à quel âge, ton enfoiré? 53. 53 la retraite. Vous voyez pourquoi j'ai pas quitté l'Artap? Hein? Ça où? Mais bon, va falloir quand même que je parte. Et puis, il y a notre ami aussi Thierry, là, il se cache, là, garde. Bah voilà, on a vécu une belle petite soirée hier. J'ai rien filmé hier, c'est un truc de ouf. Bah en même temps, j'avais pas de batterie, le téléphone, il était planqué là-bas. Bon. C'est pas grave, de toute façon. Elle est sympa la soirée. Ouais, pas mal. Bon, bah là, ils sont venus juste une journée, comme ça, vite fait. Là. La peur. Parce que monsieur veut aller à la plage. La peur d'habiter là, nous aussi. Il veut faire son bobo parisien, bah, il veut aller à la plage. Attends, la marre d'aller rater. Je vais voir la mer, mon pote. Bah, kiffez bien, les gars. Puis, merci de regarder les vidéos. Je sais pas qui c'est. Tu regardes aussi, toi, des fois, non? Ouais, je regarde. Ouais, carrément. Thierry, lui, il a rien à branler. T'en fous, toi, les vidéos. Là, il va regarder maintenant, comme ça, lui, dans un mois, il est sur la route. Hein, dans un mois, il achète un téléphone. Et hier, au bord de l'eau, il disait, mais franchement, en fait, on est bien, là. Hier soir, il voulait aller chercher le camion, déjà. Voilà, ça y est. mais puis, son camping-car, tu t'en fous, franchement. Il a pas besoin, lui. Il est bien devant la télé, à regarder téléfoot. Ouais, sympa d'être passé, les gars. Salut. Bon, on est que quatre courageux à partir en rando, faire le tour du lac. Donc il y a à peu près, je sais pas, 7 km je pense. Et après on retraversera la nage pour rejoindre le campement. Alors là il y a des belles petites plages, on peut s'arrêter, se refroidir, ouais. Se baigner un petit peu. Bon là on vient juste de partir, mais on est déjà à 40 degrés. Et là c'est un temps caniculaire. Là il fait lourd, mais il fait chaud, un truc de malade. Donc bah, c'est pas grave, cette bande de rando, mais on peut se baigner entre deux. On est parti pieds nus, comme ça au moins, il n'y a pas de problème. Et on a juste à plonger entre temps, pour se rafraîchir. Et les autres feignasses, ils sont restés au camp. Bon, Jojo, il a trouvé son futur moyen de transport, c'est bon. Il a dit, elle n'est pas trop vieille. Bon, elle n'est pas trop vieille, il a dit, ça va. Allez hop, il n'y a plus qu'à la mettre à l'eau, ça roule. Allez, regardez, ça c'est un enfant malheureux, ça. Hein? Ah, Baba Vert, tu nous as mis une balançoire. C'est cool. Il y a même des tables pour pique-niquer. Il y a ce qu'il faut pour se baigner, impeccable. Et quoi? Ah bah d'accord. C'est quoi? Ah, des cartons de bière, Cronenbourg. Super, bravo mon fils. Bravo l'image de ton père. C'est quoi ça? Un gilet? Un pantalon. Non, mais laisse-le là-bas, Loulou. Laisse-le, c'est pas à nous, Loulou. Laisse-le. Le remets. C'est pas à nous. Va le remettre à sa place. Le remets à sa place. Jojo. Bon, nous voilà environ, je vais dire, les deux tiers de la randonnée, à peu près, quoi. Et vous me filmez pas. Donc là, par ici, c'est la fin du lac. On vient de faire tout le tour comme ça. On arrive de là, quoi. Papa, quoi? Ne filme pas. Pourquoi? Ah, tu te caches. Voilà, donc on est parti d'ici, on a fait, enfin non, on est parti de bien plus loin là-bas. Là, on a fait tout le tour là, on est revenu par là et on arrive ici. Et ben, c'est la troisième baignade, je crois, sur la rando. Hein, on s'arrête plus là, c'est bon. Ça fait du bien. Parce qu'on a Marco et moi, on a les pieds qui souffrent un peu quand même. Et encore, moi j'ai l'habitude de marcher pieds nus, mais Marco pas trop. Donc il encaisse bien, parce que c'est un chemin que avec des cailloux. Et Et des épines. Ouais, les épines. Ah, du coup, ouais, les pieds, bon, ça va, ça tient. Donc, du coup, sur 8 bornes, on a dû faire 6 bornes, quoi. 5-6 bornes. Donc, voilà, on est presque arrivé à l'autre côté du terrain où il y a les camions. Il y a un crabe. Il y a un crabe qui s'appelle Jojo. Et des belles petites pinces. Eh ben, ça fait du bien, franchement. Hein. Il y a une belle petite ferme là-haut. Je sais pas si on peut la voir. Attendez. Je vais zoomer un coup. Ouais, bien sympa. Donc voilà, quand c'est caniculaire comme ça, et ben c'est des petites randos qui sont bien sympas. On peut s'arrêter, se baigner. Pff, ça fait franchement du bien. Bon, ben on va continuer du coup. Ah mon Jojo. Ouais. Ouais, Jojo, elle a fait 5-6 km. Hein. Papa, attends, je fais la fin. Voilà. Bon, bah, nous voilà, je sais pas, on est parti à quelle heure, je sais même pas. La
Attends, on a regardé l'heure, il était 4h20, je crois. 4h, autant que ça. 4h20, ouais, 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 4h20, là, il est 19h, donc ça, attends. 4h20, on était parti depuis... 16, 17, 18, 19, donc ça fait 3h, bon, après, on y va à la cool. On s'arrête de se baigner. Et là, on vient de rencontrer des gens super sympas. Donc, on a passé, quoi, une bonne demi-heure à discuter, en fait. Et on a dû faire environ 6 bornes, peut-être. Pieds nus, ça commence à tirer sur les pieds. Ça va, toi, ou pas? Ouais, ça va. Ouais, ouais, ça va. Il marche comme sur des œufs, mais ça va, sinon. C'est ça. Et franchement, petit cadre, voilà, magnifique. Hein. Il n'y a pas mieux. Donc, on est presque arrivé. Il doit nous rester 2-3 bornes. Hein? Ouais. Ah, attends. Ah oui, l'angle, là-bas, ouais. Ouais. Donc, voilà, on est presque arrivé, en fait, au point où on m'arrive. Ouais, 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 mais ça va, ouais, il doit rester 2 bornes. Ouais. Jojo, il tient le coup, hein? Ouais. Ah, mon Jojo! Trop, mon Jojo! Trop facile! On abandonne jamais! On n'abandonne jamais chez les Gaulois! On est une carte, j'abandonne! J'abandonne! Aïe, aïe, aïe! Bon, la mission 8 km à pied, pieds nus, est enfin finie, hein? On a souffert, mon père! Et du coup, on a été chercher le matelas avec Marco. Tout au bout là-bas. Donc on voit pas d'ici, mais il y a Léa qui est son... ouais, au bout de mon doigt ici. Et voilà, on était à la nage chercher le matelas. Sab et Jojo, du coup, rentrent à la nage. Ils sont là, au bout de mon doigt, là. Clac. Et nous, on ramène des affaires avec le matelas pour dormir de Marco. Donc vaut mieux qu'il sèche avant ce soir, quoi. Mais bon, ça va le faire. Allez, c'est parti. Bon bah voilà, Jojo a traversé. Petite tête de Jojo là. Jojo et papa. De l'océan Atlantique, sans encombre. Après 8 km de randonnée, mon Jojo était un champion du monde. Trop fort Jojo. Il arrive tout doucement. C'est lui qui respire. Allez, comme ça. Mais déjà, tu vois, il a réussi à traverser une fois, quoi. Attention avec tes genoux au rocher quand t'arrives. Et il a pas arrêté de la marche non plus, quoi. C'est bien, ma Jojote. Parce qu'à nager, tu t'épuises vachement vite. Hein. Ouais, ouais. Bien, Malou. Même Erwan, il l'aurait pas fait. Oh, regarde ton nombre dans ton... dans là. Tu pars là, il n'y a pas trop de chenilles. Eh ben, dis, on aura un apéro mérité. Ouais, je crois, ouais. Bon, allez, petit bain de minuit. Sauf qu'il n'est pas minuit. Papa ? Quoi ? C'est trop bien ce matelas, c'est joli. Hein. Ouais, c'est beau, hein ? Ah ouais, elle est fraîche quand même. Elle est bonne, hein ? Ouais. Mmh. Là, c'est bon. Il y a du fond ou quoi ? Ah ouais, là, tu peux y aller. Ah ouais, là, tu peux plonger, hein. Allez Bruno, un plongeon, jonjon. Plonge pas tout de suite sur le bord, ouais, plus loin. On y va, c'est que tu peux y aller. Un pec. Bravo. Et moi, tu sais quoi, je vais faire pareil. Allez, vas-y. Ouais. Bien joué, Mélissa. Moi, j'arrive pas. Ouais. À moi. En fait, c'est la différence avec... température extérieure et intérieure, quoi. Et de l'eau. Bon, bah, du coup, on y va. C'est parti. Et regardez qui c'est qui nous a rejoint. Encore un qui arrive pas à nous lâcher. Ah ouais, bah là c'est fini, c'est à lui. Bon, bah alors là, il a réussi à aller chercher son petit camtar. Et franchement, il est stylé. Bon, il a plus qu'à faire 2-3 bricoles. On va lui installer le solaire à la maison. On va faire tout ça, quoi. Faire les derniers, mettre une petite batterie cellule, tout le bordel. Et puis sinon, bah voilà, il est minimaliste encore une fois, pas grand chose. Voilà. Il s'est fait un petit plumard à la va-vite, tranquille, un petit frigo. Bon, qui va mettre au gaz. Je vais lui montrer quoi, la technique pour mettre au GPL. Comme ça sera impeccable. Il n'y a pas besoin de plus. Un bon petit sprinter 208D, c'est ça, ou 209, je sais plus. 209, je crois. 209D, un truc comme ça. Mano, il a dormi là, tellement il a fait chaud. Mano, il a dormi dehors.
208D, tu vois, j'avais raison. Bah il est bien, il est propre. Ouais, ouais. Bon, petit contrôle technique, puis c'est bon. Henri, il a dormi dans sa tente tunnel, là. Franchement, bah pas mal. Moi, je sais que j'arriverai pas trop à dormir dans un truc arrondi comme ça. Mais bon, ça le fait. Bon petit couchage. D'ailleurs, il faudra que je vous le présente quand même, ce gars-là, parce que j'ai même pas fait de présentation encore de sa tronche à celui-là. Là. Salut. Monsieur le vélo, là. Vagabond. Ouais, va où le vent te porte. Puis à vélo, énergie gratuite. T'as juste à appuyer sur les cuisses, c'est tout. Bon, depuis deux jours qu'il est avec nous, il appuie pas beaucoup. Hein. Non, il faut bien manger aussi. Ah ouais, là, c'est un peu en mode festin, comme d'habitude. De toute façon, les gens, ils nous quittent toujours, c'est pour reprendre une hygiène de vie correcte, parce qu'avec nous, c'est pas possible, c'est ça le problème. Je suis arrivé, j'avais déjà... Bon, Marco, lui, je pense qu'on va le trimballer un bon petit bout de temps. Ouais, ça va être sympa. Oh, des mecs pépères qui se prennent pas la tête, c'est cool. Oh, mon Jojo, qu'est-ce que tu fais de beau? Bah, j'attends maman. T'attends maman? Et c'est quoi ça? Bah, de l'école. Ah, tu fais du coloriage. Non, c'est pas du coloriage. C'est quoi? C'est de l'école! Ouais, mais là, ouais, oh, calme-toi, tu vas t'en prendre une. Et tu dois faire quoi, du coup? C'est de l'écriture. Ouais, c'est quoi comme école? C'est de l'opin. Ah, c'est peut-être du français. Ouais, bon, écoute. Bon, voilà. Nous, on est emmerdés, on attend encore Minouche. Ah, ouais, alors là, vous. Attendez, je sais plus si je l'ai dit sur une autre vidéo. Eh, mais vous allez vous marrer. Donc, on a acheté le collier GPS à Minouche, hein, depuis les mésaventures de l'autre spot où on l'avait perdu, machin. Le spot. Ouais, le spot où on était enlisé, tout ça, là. Et du coup, on lui a acheté le collier GPS, ça marchait super bien, on le suivait. Sauf que Mano, là, hein, Mano, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a mis le collier alors qu'il n'y avait que 10% de chargé sur le collier. Du coup, Minouche, il est parti deux jours, là. Et là, il n'y a plus de batterie sur le collier. Donc, on ne sait pas où est Minouche, on ne sait pas où est le collier. Parce qu'en plus, c'est un collier avec un... Le collier, il y a un truc attache rapide pour au cas où il se coince. Mais moi, j'ai regardé, en fait, tu tires à peine, ça s'enlève. Donc, ça se trouve, on a perdu le collier dans la forêt, Minouche, je sais pas où. Donc là, on va faire une petite expédition. On va regarder bah, le dernier endroit où le GPS, il nous montrait. Mais Mano, il a été vite fait. Mais, on va y aller. Oui, bah, on va y retourner. Hein. Voilà, on va essayer d'aller fouiller ça. Parce que là, on va bouger, du coup. Là. Enfin, on voudrait bouger, mais avec Minouche, ça va être dur, du coup. Marco, corvée de bois. Bon, il nous a trouvé une belle branche, là. Faut sortir la tronçonneuse, hein. Ça rigole pas. Bon, on va voir, c'est pour ce soir, au moins. C'est ça qui est bon. Oh, petit pastis! T'as trouvé des allumettes? Tiens, mets-le là, comme ça. Allez, hop, le stock de bois. Pour ce soir, on a large au sacé. Mano, il va nous couper tout ça en deux-deux. Ça va être parfait. Attention aux chiens, pas eu trop couper la truffe. Ce serait dommage. N'oubliez pas de ramener le panneau solaire et tout ça. Ouais. Pick up. Bon bah c'est parti pour le petit bain du soir. Hein. Ouais c'est sûr. Avec le petit soleil qui commence à se coucher. Voilà, les enfants ils voulaient aller se baigner. Allez. On va se baigner enfin. Moi j'ai pas trop envie parce que du coup il fait vachement moins chaud qu'hier. On a perdu au moins 15 degrés avec hier. Donc je vais juste les surveiller. Hein. C'est tout. Hein. Donc là ils aiment bien parce que comme ça ils peuvent sauter des rochers directement dans l'eau. Quand même bien sympa ce petit lac là. Ouais. Bien sympa avec le petit soleil couchant. Là-bas il y a les pêcheurs. On les voit pas d'ici. Pas mal. Petit spot. Attention, ça va être à Mélissa de faire. Parce que là, Lily a fait son plongeon, son grand saut. Ça va être à Mélissa. T'es prête? 2, 1, go! Jojo, tu vas où? Attention, ça va être à Lily.
Attention. Attention, t'es prête? Go! J'arrive. Oh, puis Sabrina elle a ramené sa petite chaise à faire ses attrape-rêves, hein, ici, tranquillou, au soleil. Là, on est bien, température idéale, nickel. Ah, Mijo, trop bien. Et là, Jojo, il arrive parce qu'il a trouvé un bidon qui traînait par terre. Du coup, il le ramasse, comme ça, c'est bien, c'est mieux. C'est déjà plus joli à l'œil, et en plus, bah, comme ça, ça évite de mettre de la pollution partout. Et d'ailleurs, tout à l'heure, il a vu, qu'est-ce que t'as vu dans l'eau? Une cigarette. Un mégot de cigarette. Tu l'as ramassé ou il est parti? Je l'ai ramassé. Ah, Lily, elle l'a ramassé. Tu l'as mis où? Sur le caillou. Ah, ben, bah, prends-le, Jojo, on va le mettre dans le bidon, comme ça. Ouais, ouais. Un saut de malade. Attention, Mélissa va faire un saut de malade. Oh là là, carrément. Elle a fait 5 kukai. Voilà, comme ça, on va ramener ça dans la poubelle. D'ailleurs, il y a une poubelle accrochée là-haut. Ouais, nickel. Super bien. Encore? T'en veux encore un pareil? Bah attends, je vais pas en filmer 150. Hein. Si. Allez, Lily, saut de malade. C'est pas un saut de malade ce qu'elle a fait. Ah, hein. Oh, bah si. Bon, et Jojo? Bah faire un saut de malade, Jojo? Oui. La bouée quoi? La bouée, elle a l'air crevée. Non, c'est Mélissa qui l'a gonflée. Elle est pas super bien gonflée. Je vais la regonfler sinon. Ouais. Allez, vas-y. Tiens là bien ta bouée. Eh si, t'inquiète. Voilà. T'inquiète. Allez, le dernier, hein, sinon la vidéo va durer 3 heures. Ah bah tout le monde a son idée du saut de malade. Tout le monde fait des sauts différents. Lily, c'est ça un saut de malade. 3, 2, 1, go. Ouais. Je vais essayer comme Mélissa. Viens, je vais regonfler ta bouée, Jojo, sinon. Oui, c'est ce que j'ai dit de demander. Attention, Jojo, le saut. Olé. Comme Jojo. Moi aussi, comme Jojo. J'étais sur l'eau, j'ai sauté dans l'eau. Dans le coucher de soleil, en plus. Ah bah vas-y. Quoi? Mélissa veut que je filme tous ses sauts, alors on n'est pas fini, on l'a pas fini. Hein. On n'est pas sorti de l'auberge. Hein? Pourquoi je vous dis ça? Bon, un dernier. Hein. Ouais, bah fais attention les plats. Hein. Allez Jojo. Ah bah ouais, mais je vais pas filmer pendant 3 heures. Allez, vas-y. 1, 2, 3. Allez, à Jojo maintenant. Allez, 1, 2, 3. Moi aussi, j'ai sauté là où il va, Jojo. Bon, bah voilà la petite tambouille du soir. Hein. Voilà, du poulet, des machins, des grillades. Une bonne tambouille de ratatouille, je sais pas quoi, qui est là, qui a l'air vachement bonne. Bon, c'est un petit peu Henri qui a bien bossé ce soir. Non, c'est mis un peu en mode Larousse là. Bon, on va se rattraper demain. Ah, puis Marie qui nous a fait une bonne fondue de poireaux là. J'adore ça, c'est bon. Moi, je t'ai pas motivé parce qu'en fait, j'ai pas super faim, donc du coup, c'est moins motivant. Bon, on a à manger pour demain encore. Nickel, petite salade. Moitié saucisse, moitié poulet avec l'air. Okay. Le feu. Au-dessus de Royan, la vie. Tu peux te poser là. Mais pas en bus, ça me vraiment en fourgon. Et même ma reine, j'ai trouvé pas mal. Hein. Ouais, ouais. Ah bah c'est pour là. Ouh. Pas sur l'île. Bah sur l'île aussi. Ouais, mais bah, c'était de la chance. Mais ouais. Non. Bon, on est toujours à l'attente de Monsieur Minouche hein, qui réapparaisse. Je pense que là on est samedi, on va attendre jusqu'à lundi matin encore et on fera des mots sur les arbres hein, avec nos téléphones et tout parce que là il y a un moment ben, on ne va pas passer notre vie là non plus. Surtout que là on n'a plus d'eau. Donc j'ai pas envie de ressortir Obélix juste pour aller chercher de l'eau. Donc du coup on se démerde comme on peut. Voilà. Vaisselle à la zadiste. Dans l'eau. Du lac. Bon bah ça le fait. Hein. Avec les essuyères professionnels. Exactement. T'es payé combien? Un verre de Ricard par minute. Voilà, c'est ça. C'est une bonne paye, vas-y, comment ça va? Les essuyeurs, bon, apparemment, on n'est pas assez rapide, nous, les laveurs. C'est ça. Surtout quand on fait des vidéos, quoi. Bon, on a un produit dégraissant bio, hein, un truc fait maison, là, avec, mais ça dégraisse pas des masses, mais bon.
Oh, vu la dose d'eau du lac, je pense que ça va pas faire trop de mal. Et au moins on aura la vaisselle propre. À la démerde. Pendant qu'il y en a qui se baignent, ça va. Et regardez, on vient de se faire une petite baignade après. Attends Manu, après la vaisselle. C'est cool, on arrive à refaire notre stock de leurre. Je suis accroché dedans. Ouais, Manu s'est accroché là-dedans, bah, avec le bas de ligne acier, nickel. Plus qu'à le récupérer. On va se faire un petit coup de pec, ça va être bon ça. Bon bah nous au milieu de la nature du lac, on joue de la contrebasse, c'est comme ça. Sortez les violons. Allez voir la chaîne Les Voyages d'Auguste. C'est un oranger, c'est pas ça. Vas-y Henri, on t'écoute. Oh non, mais j'ai pas toutes les paroles. Tu peux pas nous faire punk-a-chien. Moi je trouve que les bandes de lignes elles sont grosses aussi. Ouais. Ah ouais. Ah c'est bon ça. Ah ouais. Ah non, arrête, t'arrêtes pas. Punk à chien. C'est quoi les paroles? C'est pas trop mon truc, le rock-up, c'est... Bon, après 4 jours d'attente, on a enfin... 3 jours. 3 jours d'attente, on a enfin récupéré ma Minouche. Ah, je te jure, celui-là... Il est en pleine forme. Ouais, il est en pleine forme, en fait. Il était juste en train de se promener dans la forêt. Hein. Donc là, on l'a enfermé, le pauvre. Parce qu'on ne veut surtout pas le reperdre. C'est moi qui l'ai retrouvé la nuit. Bah, en fait, il est revenu cette nuit, comme il fait d'habitude. Il a gratté au carreau pour rentrer, puis voilà.
Donc il a perdu le collier, hein. Comme je vous avais dit, c'est des attaches rapides faites exprès pour pas que le chat s'étrangle. Mais en fait, ça tient que dalle, quoi, c'est nul. Et moi, je voulais mettre du scotch autour pour pas que ça s'ouvre, mais c'est Mano qui lui a mis, il est parti comme ça. Bon. Donc du coup, on a paumé le collier, mais apparemment, Sabrina était sur le site. Ouais, c'est pas apparemment, ça y est. Ouais, ça y est, donc en fait, il renvoie un collier. Bah, en même temps, on a pris un abonnement... Une fois par an, t'as le droit. Donc là, on a pris un abonnement, nous, sur un an, ça coûte 5 euros par mois. Donc comme t'as l'abonnement, bah du coup, il te redonne un collier, quoi, voilà. Tu payes juste collier les frais GPS. De port pour t'envoyer. Donc voilà, bah pour l'instant, on va essayer de lui trouver un harnais, on va surtout pas le lâcher, parce que sinon, on refait ça, voilà. Le temps de revoir le collier GPS, et puis après, bah ça sera reparti pour un tour. Allez, nous, ça range le camp, tout le monde est au taquet, ça arrange le bus. Là, dehors, tout le monde s'active. Et comme ça fait un bon 5 jours qu'on est là, du coup, il y a pas mal de trucs à ranger. Donc tout le monde s'active pour ranger tout ça. On va dire au revoir à notre pote Henri, fais chier, merde. Je peux pas vous suivre, je suis trop lent. Ouais, c'est ça. Bon, on aura bien l'occasion de se revoir. Hein. Bien sûr. Ah ouais, carrément. Donc il va repartir avec sa charrette à vélo, là. Et puis, bah c'est parti pour... c'est pas mal ce qu'il va faire, j'adore. Il va voir un fabricant d'yurt. C'est ça. Fabricant d'yurt et demander s'il y a un coup de main là-bas. Et puis, bah voilà, contre le gîte et le couvert. Hein. C'est ça, les aventuriers, les vrais. Donc, il va repartir avec son vélo Giant. Oh, ben, c'est pas la première fois. Il en est pas à son premier coup d'essai. Il en a déjà fait des paquets de kilomètres autour de la planète. Bon, voilà où Marco, il va rester avec nous. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, enfin, sur nos vidéos, il va venir avec nous, va nous aider un petit peu à la maison. Puis voilà, passer du bon temps ensemble. C'est un mec cool, on s'entend bien. Enfin, on se débarrasse de Michael. Ah, ça fait du bien. Oh, le boulet, on n'en pouvait plus. Non, c'est con, moi j'aimais bien mon petit Michael, mais bon, on aura bien l'occasion de se revoir. Pas de soucis. Ouais, voilà. Non, on a passé un bon petit moment, combien de temps ensemble? Une semaine. Une bonne petite semaine ensemble, c'était cool. Et puis, bah lui, du coup, il veut pas remonter, parce que sa destination, c'est vers le bas, ou sur le côté, ou je sais plus trop, mais bref, il remonte pas vers là-haut. On va dire au revoir à Marie temporairement, parce que, bah du coup, elle va faire un peu la Bretagne. Le temps qu'on remonte chez nous, préparer la fête de la gauloiserie, puis elle nous rejoindra chez nous. On va garder petit Pastis avec nous. Ah bah lui, ça y est, lui, on l'a jusqu'à la retraite, lui. Ah ouais, ouais, à vie. Oh, puis tonton Wanou aussi, hein, il va rester un petit peu avec nous, du coup. Jusqu'à la gauloiserie, bah ouais. Donc c'est cool. C'est reparti pour de nouvelles aventures. Oh, les SDF qui mangent par terre, là. À votre bon cœur, monsieur l'homme. À votre bon cœur, monsieur l'homme. Le reste de la salade de pommes de terre, courgettes, ail, mélangé avec plein de trucs. Ça le fait, hein. Ça dépanne, hein. Oh, puis les gamins, ils ont été faire une petite récup de fringues, là. Voilà, Lily est en train de tout essayer, là. Ouais, il y a un truc de relais de fringues là-bas. Voilà. Bon, c'est juste la petite pause casse-croûte du midi, hein. Et tout. Bon, ben nous voilà, avoir repris la route direction Angers, hein. Toujours avec le vieux coucou. Aujourd'hui, j'ai un nouveau copilote. Hey, le père Marco. Bah, ça roule bien. OBX, bon, bah, il se débrouille, hein, comme il peut, avec les chevaux qu'il a, quoi. Donc, ce soir, on rejoint des abonnés encore qui nous attendent du côté d'Angers. Et puis, on va essayer de se trouver un petit spot au bord de Loire. Voilà, voilà, on va arriver pile poil pour l'heure de l'apéro, impeccable. Allez, bisous, bisous. Bon, bah, voilà. Premier petit bain dans la Loire pour papy. Il est là-bas. Fais coucou. Voilà, petit bain dans la Loire. Je viens de le dire. Bon, le spot est pas terrible, mais bon. Pour une nuit, ça le fait. Bon, il y a une belle vue quand même, hein. Bon, bah nous voilà sur le spot du soir. Bon, et presque 19h. Bien sûr, on s'est servi un petit apéro. Donc là, on est placé là. Bon, le spot n'est pas ouf, mais ça va pour une nuit. Parce qu'il y a une route qui est derrière qui est assez passante, mais bon, ça va se calmer le soir. Hein. Et puis, bah, à l'autre côté, on a la Loire, comme vous avez vu. J'ai été faire un petit plongeon. Alors, c'est dangereux parce qu'il y a du courant, mais il faut faire gaffe, quoi. Voilà. La Loire, elle est juste là, derrière. Sympa. Bon, bah je suis avec je sais plus qui. Pauline. Voilà. Alors attention, Pauline, c'est la vidéaste, la youtubeuse. Hein.
qui va monter très haut. La révélation. Ouais. La révélation, voilà. Je vous la présente. Comment elle s'appelle déjà? Pauline. Pauline. Ah, le Gaulois qui se dit mal un prénom, ce ne serait pas le Gaulois. En plus, avec Obélix en fond. Pauline, ouais. Les donc votre chaîne, c'est... Les faux fileurs. Les faux fileurs. Ouais. Je préfère un faux filet mignon, mais bon. Donc les faux fileurs, ils sont là avec nous. Hein. Il y a... Sophie. Sophie. La mère. Stéphane. Stéphane. La petite blondinette. Le martien en vert. Et voilà une famille. Ah oui, ah oui, petite pichon. Ah, viens là toi, viens là toi. Alors elle, je pense qu'elle promet. Elle. Oh là 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 là. Bonjour, bonjour tout le monde. Je sais pas. Alors ça c'est fait, hein. Je pense qu'elle promet la petite là. À mon avis, ça va envoyer du lourd. C'est sûr, ouais. Ouais. Sacré troupe de vainqueurs les gamins là. Eh ouais. Allez-y, allez-y, lâchez-vous, allez-y, lâchez-vous, ouais. Non, Jojo. Bon, voilà une petite famille qui se promène en J5. C25. C25. En mini-moc. Ils sont plus courageux que nous parce qu'ils sont à 6 dans un C25. Faut le faire. Avec des ados. Je pense que là, il y a plein de familles qui nous suivent qui vont dire « Mais comment ils font? C'est pas possible !» Donc apparemment, tout à l'heure, ils nous disaient quand même ils s'entretuaient un petit peu, quand voilà, même. On a prévu les menottes aussi. Voilà. Mais je les ai cassées. Bah, comme toutes les familles. Non, notre famille, on est tous des enfants. Ouais, en fait, à chaque fois qu'on s'embrouille à la maison, les enfants, ma femme a fait « Mais tu crois que c'est comment chez les autres? C'est pareil. » Bah oui. Ouais. Bon, bah merci, ils m'ont rassuré. Du coup, apparemment, c'est pareil aussi chez vous. Exactement. Mais quelle idée d'avoir des ados! On peut pas passer de tout petit à grand? Non, parce que des fois, même grands, ils sont chiants. Hein? J'ai envie de dire un petit exemple. Ouais, même grand sans chiant. Bon voilà, petite soirée tranquillou, bord de la Loire. Hein. On a mis un petit chaudron en route. Puis voilà, on se fait des petites pâtes. Apéro, comme d'habitude. On était en train de parler de l'alcool, ça c'est important ça. Pourquoi on boit de l'alcool? Il faut pas boire l'alcool. Bon, bah, ça y est, je vais avoir 150 commentaires. C'est parce que t'as un problème dans ta vie, machin, truc ça, t'as souffert, t'as truc. C'est peut-être vrai d'ailleurs, ça. Va, là, ça va. Parce que c'est la fesse, mon père. Bon, lui, petit pastis, lui. Hé, refais-la. Parce que c'est la fesse, mon père. Bon, allez, bisous à tout le monde. Bienvenue ce soir. Soirée spéciale, Francis Cabrel. Depuis tout le temps. Bah, je vois mon père. Ce soir, quand même, j'ai compris. Faut pas dire à qui je ressens. Faut dire qui je suis. Yeah, man, yeah. Faut rosser toutes ces blancs, les yeux m'éclairent. C'est un voile. Ce qui me reste à présent, l'envie de tout foutre en l'air et de recommencer la nuit, de recommencer la nuit, et de recommencer la nuit, Rosie. On sent l'amour là, l'amour! Allez, allez-y, faites l'amour au coin du feu là, allez-y! Faites-nous rêver! Yeah, man! Wouh! Dédicace à. Faux folie, faux fileur! Faux fileur! Faux fileur! Ouais! Alors ça, bonne question. Friends of freedom, les amis de la liberté. Wow, joli message. Voilà. Comme dirait Malicia, ok, mais j'ai rien compris. C'est pour ça qu'en fait, on écrit avec F-O-F. Friends of freedom. C'est pour ça que c'est pas F-A-U-F, mais F-O-F. Ah, ah bah ouais. Ok, mais j'ai rien compris. C'est pas parce qu'on est nul en orthographe. Je fais exprès. Mais j'ai rien compris. Super joli. Allez, une autre. Une autre. Une autre. Une autre.
Pardon, en fait, c'est, je suis au quatrième pastis, du coup, j'y ai compris maintenant. Les faux feelers. En fait, on se faufile. Voilà, c'est ça. Donc là, je mets longtemps à comprendre. Voilà. Et voilà, donc j'ai plein de commentaires. Bah, arrête de boire du Ricard, ça ira mieux. Et j'ai compris, parce que moi, je suis passé sur le faux filet. Le truc qu'on mange, le faux FAUX filet. Le faux filet. Ça peut faire aussi, hein. Un bon petit faux filet, c'est une bonne. Nous sommes les faux fillers. Voilà. Avec une petite bouche. Ouais. Les faux fillers, c'est une barbe de gueule. Oh. Oh, du Goldman. C'est bon, ça. Dans la maison, crier les ombres, sans marcher, j'ai beau me dire qu'il faut du temps, j'ai beau l'écrire noir sur blanc, Lily, quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi, ma bouteille de Ricard. Bon, ben nous voilà repartis, hein, on est sur la route. Bon, là, qui se sont tapés l'incruste, là. Hein, voilà, il y a du monde dans le camion. Ils nous ont fait un super cadeau. Hein, il nous a ramené Jade, qui a vomi dans le bus. Bravo. Vous auriez pu la garder, hein, si c'est pour ça. Mais elle l'a jamais fait. Ouais, ouais. Là, ça doit secouer le bus, c'est pour ça. Elle a déjà fait le bus en même temps. Et là, en fait, eh ben, on vient de s'apercevoir qu'on est passé juste à côté des vadrouilleurs. Donc, on va aller leur faire un petit coucou, pique-niquer avec eux vite fait. On va leur faire la surprise. Et puis on va pas rester longtemps parce que ce soir il faut qu'on soit à bonne étable. Donc eh ben, il faut qu'on roule. Erwan s'est arrêté parce qu'il avait une panne avec son Iveco. Il a retaré ses injecteurs, je sais pas quoi. Il a remis des rondelles pour. Bref. Et en fait, c'est pas un injecteur qui était en rade, c'était juste la bride d'injection qui était desserrée. Donc ça fuyait. Donc, voilà, plus de peur que de mal. Allez, bisous, bisous. A plus. Eh, regardez chez qui on est. Vous les connaissez ceux-là? Pas chez nous, hein. En fait, les gens, ils doivent en avoir marre, quoi. Ils voient toujours notre gueule. Ouais, c'est clair. C'est... Attends, on entend sonner comme ça. J'étais en train de manger. Et là, je vois c'est quoi, tous ces gens. T'as vu, j'ai mis un beau klaxon maintenant. Ouais. Mais. Franchement, on pourrait pas dire. Ouais, mais non, il fait pas le son poids lourd, là. Le truc, non. Boum, ah, ouais, TGV, comme ça. Ça, c'est bien. Alors, c'est lui, je l'appelle maintenant, c'est le démonteur d'épaule. Tu sais que j'ai encore mal. Tu veux qu'on fasse une petite bagarre? Allez, vas-y, c'est parti. Mais ouais, voilà! Je demande des essieux! Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas ma guerre! Non, ça fait plaisir de les voir, les poteaux, ah toujours! Ouais, c'est cool! On est venu à l'improviste, hein, bien sûr! Ça se trouve, on va se suivre plus ou moins, hein, parce que nous, dans une semaine, on est OP! Bah là, écoute, nous, on sait jamais où on sera demain! Ce soir, je suis prêt à rouler! Hein. Bah là, maintenant que vous êtes arrivés, peut-être demain! Et bah là, ce soir, on est à Bonne Étable! À Bonne Étable? Ouais. On va voir la mamie de Sabrina! Ah oui, c'est vrai, on avait déjà été vite fait là-bas! Ah, peut-être. Si, on s'était suivi, je crois. Ah, bah, c'est possible. Vous avez quitté là-bas, il n'y a pas. Et après, on est à Alençon. On récupère les gamins. Ah, ouais. Donc là, on largue pendant deux jours. Oui, parce que là, vous avez des gosses. Ouais, il manque Malicia et Liam. Bon, attends, je vais pas raconter ma vie en vidéo. Elle est plus chiant, quoi. Elle est plus chiant. C'est casse-couille. Bon, voilà. Donc, en fait, on passe. Bon, bah, voilà. Bon, bah, voilà. Ça n'arrête pas de sortir en vidéo tout le temps. Bon, bah, voilà. Alors, alors, il sert à rien. Voilà, la limite que le voilà. Mais on passait, en fait, on était en train de rouler avec des abonnés là qui nous suivent. Et je vois Bogé, je fais attends, Bogé. T'es arrivé de où? De Alençon, de Angers. On arrive à Angers. Et du coup, j'ai fait, ils sont par là-bas, eux, on va aller les voir. Et voilà, du coup, là, on fait un petit pique-nique ici, et puis après, on reprend la route. Ah, t'es venu m'aider à remonter mon moyeu là-bas, là. Ah, bah, si t'as besoin d'un coup de main, pas de problème. Ouais. C'est la fin. Là, ça fait plaisir. Tu mets Charlotte au boulot avec ses gros muscles. Ça fait plaisir. Ouais, carrément. Bon, allez, petit pique-nique. Hop! Oh, j'ai oublié de dire au fait un gros bisou, un énorme merci à mamie Momo quand même, ouais, qui nous a laissé autoriser à venir. Et c'est pas un coup monté, hein. Non. Mais jamais nous, de toute façon, jamais. C'est que du vrai, quoi, du réel. C'est comme ça. Bon, vous aurez rencontré les vadrouilleurs, c'est cool? Ben ouais.
Ça y est, vous êtes. C'était imprévu. Vous êtes dans le gang. Ah, dans le gang des youtubeurs. On a montré. Les faux filets. Les faux filets. Alors hier, j'ai mis trop. Faux fileurs. Moi, j'aurais dit les verts fluo. Ouais. Les martiens. Les martiens. C'est vrai. J'ai mis 3 heures à comprendre, moi, hier, déjà, là. Bon, en même temps, j'avais 4 grammes, faut dire. Mais bon. Jérém est en train de nous présenter sa nouvelle piscine. Franchement, bonne idée. Hein. Elle est super sympa. T'as oublié de nous faire le plongeon. Tu vas sur le toit là et tu plonges. Ouais, j'arrive. Attention, je vous le fais en direct. Comme ça, si je me pète la gueule, vous aurez un souvenir du Gaulois. Panneau solaire, ouais, ça le ferait carrément. Hein. Ouais. Waouh, purée. Il y a de la place. Hein. J'ai purée, parce que je dis toujours trop gros. Là, ça tombe bien, je voulais regarder si ça avait plu. J'ai pas encore jointé le sol. Ouais, nickel. Et il y a plus ce matin. Et quand même, il bosse bien, ce petit Jérém. Hein. Il a tout fait tout seul. Ouais. Les soudures, les machins, les trucs. Ouais, ça a pas fui. Regarde, il y a pas encore le joint et ça a pas fui. C'est ouais. Cool, hein. Bah ouais, bah c'est normal, puisque c'est en... Oh, il reste quelques modifs à faire, c'est sûr. C'est pas... Ouah, le solaire de ouf, toi. Fini. Ah, on est des rigolos, nous. Oh, il est beau, mon gros bébé, d'ici. Bah non, vous faites avec vos, selon vos besoins. Mais en fait, je vais rajouter des batteries. On en a parlé avec... Attends. Bah, tu pourrais rajouter une dedans. Ouais. Eh, vous connaissez les vadrouilleurs motards? Oh, la gueule. Eh, tu vas faire des burns. Tu vas faire du stunt. Enfin, moi, j'ai vu ce qu'ils faisaient avec le vélo. Ils font la même chose avec la moto. Bah, dis donc. Non, je suis... sérieux et je roule en toute sécurité. Bah c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Surtout avec ma femme. Ah bah carrément. Je voudrais pas l'abîmer. M'étonne. Ça, tu peux pas la perdre avec le top caisse. Bah si c'est que à manger qui va te manquer. Ah bah plus de batterie. Ouais vas-y. Bon bah voilà, ça y est, on repart. Hein. Bon bah voilà. On repart de chez les vadrouilleurs. Tiens regarde. On était chez Mamie Momo. C'est reparti. On a passé un bon petit moment avec nos potos. Donc c'est reparti pour Bonne Étable à côté du Mans. Voilà, voili voilou. Mamie. Bon allez, salut les potos. Ça passe tout juste, hein. Oh. Ah ouais. Bye bye. Bon, ben nous voilà à Bonne Étable, passer faire un petit coucou à la mamie qui est là. On s'est tapé la cruste à 150 millions. Yeah, man. Bon, voilà le petit spot du soir, bien sympatoche, franchement. Avec les jeux pour les gamins, pour jouer au foot et tout ça, bah c'est nickel. Hein. On est toujours avec les faux fileurs. Je vais y arriver. La petite pièce d'eau, les petits jeux sportifs pour les enfants. Il y a même les toilettes. Voilà, Jojo, il est au tourniquet là-bas, tout au fond. On le voit pas, mais il est au fond là-bas, Jojo, en train de faire du tourniquet. Il y a les toboggans, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Bah, un petit coin bien sympathique. Encore une fois, un aire de stationnement gratuit, proposé par la ville, c'est nickel. T'es déjà au sport, toi, la pitchoune? Bon, bah on est plutôt bien là, tranquillou. Hein. On a même la lumière gratuite. Eh. Franchement, plutôt pas mal. Erwan nous a allumé son petit barbecue. Marco nous a acheté des petites saucisses à faire ce soir. Voilà, chacun apporte sa petite contribution. Et puis, bah nous, on est posé là, hein. Impeccable, au bord de l'eau. Plutôt pas mal. Bon ben voilà. Bon ben voilà, c'est reparti pour les grillades. Wow, feu d'artifice. Un petit spot bien sympa, toi, je pense. T'arrives pas à tout venir. Ça veut dire qu'il faut qu'on fasse l'école d'hiver. On est nickel là. La classe. C'est quand même dur la vie de nomade. Hein. Oh là là, c'est horrible. Horrible. Puis demain, faut se lever pour aller au boulot en plus. Bon, c'est bon, Sabrina a trouvé ses petites chinoises pour travailler pour elle. Donc Pauline est embauchée. Ah, parce qu'en fait, vous croyez venir nous voir comme ça à la Wall again. Mais non, toi, c'est attrape-rêve. Lui, dès qu'il arrive à la maison, c'est tondeuse,
il va nous faire 10 terres de bois. Toi, c'est ménage de la maison. Toi, c'est tu vas nous remettre tout l'informatique nickel. Ouais, non, mais attends, tout est calculé. Ah, vous croyez que c'est juste de l'amour, de la sympathie? Ben non, ben non. Toi, faut que je te trouve un truc à faire aussi, toi. Ah bah t'as qu'à faire à deux, comme ça, ça fera deux chinoises. Ah oui. Elles l'ont fait à deux. Bon, ça y est, je vais avoir des commentaires. Qu'est-ce que t'as contre les Chinois, machin? On l'a fait toutes les deux. Enfin, toutes les trois, du coup. Ouais. J'en ai fait un peu, quand même. Ça rattrape le vomito de votre petite sœur. Hein. Oh, ouais. Ouais. En fait, ils ont squatté dans le bus, mais bon, Jade nous a repeint le bus. Bravo. Tiens, d'ailleurs, c'est ce qu'on... Ben voilà, ils sont là. Il est là, le vomito de Jade. Merci, Jade. Au moins, grâce à toi, on mange ce soir. Bon, ben, nous voilà retourner chez les parents de Sabrina, bien sûr. Hein. Voilà, rechercher les ptios, hein, les sales gosses. Ils nous ont pas manqué du tout. Hein. Alors, j'ai toujours ma manie, j'ai suivi mes caméras. J'ai toujours l'impression que c'est flou. Ouais. Donc, on se fait une petite salade de tomates. Chacun bricole un petit peu. Erwan, je crois qu'il est parti en mode sieste, là. Ah ouais? Ah bah, ça va, toi? Tu t'es cru chez mamie, là? En même temps, t'es un petit peu chez mamie, j'avoue. Le père Marco, il s'est mis là-bas avec sa tante. La famille, je sais même pas comment il s'appelle, Faufileurs. Sont restés se promener dans le coin parce que bah on n'allait pas débarquer à 150 non plus. Et puis notre père Marco, bah il nous fait une petite salade de pissenlit. Une bonne petite salade de pissenlit la famille. C'est bon ça. Ouais, il a été chercher ça là dans la forêt tout impeccable. Et on s'est tellement régalé la dernière fois que franchement, on lui a dit "Eh mon père, tu veux pas faire une petite salade de pissenlit?" Bon, va falloir en faire une pour la gauloiserie mais en mode 50 kilos. En gros salade. Ah, et puis plus la saison avance, plus ils sont secs. Hein. Puis surtout ouais, que là, il n'y a pas de flotte. Et là, ils montent. Il n'y a pas de flotte, donc du coup, bah, ils sont secs, hein, les bordels. Bon, on va voir. Hein. T'as goûté un peu si c'était amer ou pas, non? Un petit peu, mais c'est normal. C'est normal, hein, ouais. Ça va le faire, ça va le faire. Ouais, avec le citron, nickel. Voilà, voilà, ça se prépare. Moi, j'ai préparé tout à l'heure des bonnes pommes de terre. Ça va être bon aussi. Tiens, regarde ce que j'ai fait, mon Marco. Ça va être bon, ça. Ah ouais. Petite pomme de terre avec de l'ail, de l'huile d'olive et tout. Petite courgette. Comme ça, c'est bon. Moi, comme je dis, un barbecue, bah, je le dis à chaque fois, on n'est pas obligé de se blinder de viande tout le temps, quoi. Ouais, moi j'adore faire les petits légumes comme ça, aubergine, courgette et tout. Pas tout le temps de la viande, tout le temps de la bidoche. On en a marre. On devient gros. Il en a marre. Il crie, pleure, il s'indigne de cette immonde mise à mort. Mais ils oublient que chez la guillotine, chez nous aussi fonctionne encore. Adnès Souchine de l'Hexagone. C'est pas ce qu'on fait de mieux en ce moment. Et le roi des cons sur son trône. Je parierais pas qu'il est allemand. There's a lady who's sure all that glitters is gold, and she's buying a statue to heaven. When she gets that, she knows the store will close. Where the world she can get what she came for. She wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean that the feeling I get when she looks to the west, 'cause you know. She is buying the stairway
gamin. Jean, tu veux m'épouser? Allez, c'est parti. C'est pour les papiers. Non, rien à branler des guitaristes. Rien à branler des guitaristes, moi je veux la mexicaine. C'est joli, hein. Non, par contre, super joli, franchement. Wow. C'est plus aigu que ce que je fais d'habitude. Avant, je la jouais comme ça, après, j'ai refait grave avec le capot. J'ai envie de dire la classe à Dallas. La classe à Dallas, mon pote.
Bon, bah, c'est bien beau de venir voir les beaux-parents, hein, de se faire entretenir. Mais bon, faut filer un petit coup de main quand même, sinon c'est pas drôle. Bon, j'avoue qu'on en chie, hein, mais d'habitude, c'est le beau-père qui fait ça tout seul. Alors, il doit en chier encore 10 fois plus. On a fait toute la haie, taillé la haie qui est là. Moi, j'ai débroussaillé par terre là, parce que c'est dommage, j'aurais dû faire l'avant après, mais bon. Donc voilà, on a filé un petit coup de main faire ça. Bon, on a fait ça un peu à la wall again, hein, mais bon. Je trouve qu'on a une espèce de débroussailleuse où tu mets un taillet au bout, et je sais pas, moi je suis pas fan. Et puis il fait super, 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 hyper, méga chaud. Donc là après je vais refaire une petite taille sur le côté, tout ça, la remonter un peu pour que ça fasse plus propre quand même. Et puis voilà, bon bah ça fera un boulot de moins à faire au beau-père. C'est déjà ça. Alors tout le monde est au boulot, ça rigole pas. Hein. Bon alors, vous êtes content d'être venu voir les beaux-parents? Hein? C'est cool, hein? Atelier jardinage, atelier transpirage, ouais. Ça va, Marco, t'es content? Parce que sinon, la route, elle est juste là, t'as juste à lever le pouce, hein. C'est reparti, hein. Non, mais alors lui, il va dans les ronces en tong. Alors lui, oh là 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 là, le paysagiste du dimanche. Viens-moi les pieds, ils vont être pleins d'or. Allez. Oh, puis il est lourd, lui, hein. Ah, ça pique le cul. Bon, j'ai débroussaillé tout ça, machin. Là, il n'y a plus que ça à finir. Ben voilà, tout était comme ça, voire même bien plus dense, hein, que ce qu'il y a là. Donc on a rendu ça bien propre. Ça fait à manger pour Tintin. Ah, ça en fait de la branche. Ça en fait de la branche. Et Tintin, il est content. Voilà, le Tintin, il est content. Comme ça, il a à manger. Le Tintin Rastaquer. Ah, c'est pour lui éviter les mouches. Yaman Rastaman. Allez, vas-y, on va finir ça. C'est parti. Bon, Mano, il a eu du mal à se mettre au boulot. Non. Oh, arrête un peu. T'es en train de faire à manger. Ouais. T'es en train de couper les tomates. Bon, allez. Ouh. Allez, hop, à manger pour Tintin. Il a pas mouru de faim. Ah, tu m'étonnes. Bon, ça va vite, hein. Puis les ânes, ils aiment bien tout ça, les ronces, la charmille et tout. C'est impressionnant, parce que ouais. Ah, ouais, mais c'est comme les chèvres, hein, ça bouffe tout ce qui est pileux. Bon, là, un peu chaud, hein, mon Marco. Ouais, c'est trop chaud. Ça cogne un peu. Mais bon, il y a l'apéro qui nous attend, donc ça va. Ouais. Bon, bah, nous voilà en forêt des Couves. On repart de chez les parents de Sabrina, direction Brionne. Il y a un lac qui nous attend pour se baigner parce que là, il fait 40 degrés. C'est l'étuve. Il fait super chaud. Obélix, bah, qui est, voilà, hein, encore une fois, qui a chaud. Comme d'habitude, à 25 km/h, il fait ce qu'il peut. Mais bon, l'important c'est qu'il grimpe. Toujours avec mon copilote Marco. Bon, on a pris cher à ton de lait ce midi, mais bon, c'est comme ça, hein. Faut aider un peu. Allez hop, vas-y Obélix, monte. Et c'est joli ici dans les paysages. Voilà, en plein dans la forêt, en plus on prend de la hauteur. C'est vraiment bien sympa, quoi. Bon, ben regardez, on a retrouvé la famille Faufilaire. Ça y est. Yes. Après 2 jours sans nous, c'était pas trop dur? Non, ça fait du bien plutôt. Franchement, la déprime, quoi. La déprime, carrément. On commençait à s'y faire. Ouais. Vous êtes bien là, tranquille à l'ombre? Nickel. Au bord de l'eau, petit spot du jour. Bah, bien sympa. Après 2 heures de route là dans Obélix en plein cagnard, hein, avec Nico, avec Marco, on était là. Elle est où l'eau? Elle arrive. Ah, trop pressé de se baigner. Puis ce qui est sympa, c'est que là, il y a le lac. Et l'autre côté là-bas, il y a une petite rivière. Ah, tiens, je vais vous montrer. Et l'eau est bien plus agréable. Voilà, du coup, de ce côté-là, c'est une petite rivière bien sympa, bah, qui alimente le lac d'ailleurs. Et bah, les gamins, ils jouent là. Hein. Il y a Lily, il y a Jojo, il y a Jade. Et regardez comment elle est belle l'eau. Voilà, super sympa. Et plus loin là-bas, hein, c'est un peu profond, on peut se baigner. Donc c'est nickel, bon, on va se faire sûrement un petit chaudron ce soir, tranquillou. Et puis passer la nuit là, impeccable, avant de rentrer à la maison. Yes I. Oh, j'ai enfin compris comment on modifie les pubs. Hein. Donc comme le Utip ça marche pas, je continue les pubs un petit peu. Parce qu'en fait le Utip ça va arrêter apparemment. Donc voilà. Et Mano nous prépare du bois avec Marco, ils en ont chié, ils ont transpiré. Pour nous faire un petit chaudron ce soir. Voili voilou. Ah ouais, faut qu'on descende le chaudron.
Et puis Sabrina continue dans les... Oh là là, elle en a fait un. Elle en a fait un beau, là. Elle rigole pas, là. 60 cm de diamètre. Attention. Voilà le genre de petite soirée qui s'annonce bien, que j'adore. Quand il a fait très chaud toute la journée, là, le soir, ça tombe. On prépare un petit chaudron. Il fait bien moins chaud. Hein, mon petit Steph? Ah bah oui. Et là, on respire. Carrément, ça promet. Là. Voilà. Ah ouais. Avec les poteaux qui sont là. Ma petite chérie d'amour. Ouais, toujours. Bah, vous la connaissez maintenant. Jérôme Coucou Johnny, je sais pas comment on l'appelle. Jérôme Coucou. Attends, est-ce que ça m'énerve? Ah, je crois qu'il y a une petite... En fait, j'ai une manie, j'essuie toujours mon truc. Tu sais, il y a une sorte de brume qui se met dessus, là. C'est de face ou de... Non, là, je suis comme ça. Ouais, c'est mieux. Jérôme Coucou. Voilà, Jérôme Coucou avec sa petite femme qui est, je sais pas où, en train de faire... Là-bas, un... en train de... Faire la cuisine ou un truc. Voilà, en train de faire le... Voilà. Visiter le camping-car. On vient de descendre le chaudron. Il est quelle heure? 21h, 20h? Ouais, c'est ça. C'est pas un truc comme ça. Je sais pas, on s'en fout en fait. Et ouais, mais souvent, moi, c'est justement les moments où je commence à apprécier. C'est, j'aime ouais, bien, j'adore le soir. Le soir, c'est calme. Avec les odeurs de la soirée. C'est le terrain t'appartient. T'es chez toi, il n'y a plus personne qui vient. Et il y a les gamins qui sont dans la rivière. Et puis on est là tranquille. Ouais. Regarde-moi ça un peu. Donc en fait, Célie, Cyril et Émilie sont venus nous rejoindre parce qu'ils habitent pas loin. Ils sont à 30 bornes d'ici. On est sur Brionne. Et franchement, ils ont le moral, parce que dis donc, je peux vous dire qu'il commence à faire frais. L'eau dans la rivière est bien fraîche. Hein? Elle est où? Ah, c'est ça votre cabane? Non, on est en train de commencer. Ah, vous faites une cabane dans l'eau? Oui. Ah ouais, vous êtes motivé. Ah bah, donc ça, c'est le premier piquet, c'est ça? Ouais. Bah, c'est pas bête, hein, attends. On va faire un pied ici, un pied là-bas, un pied là-bas. On va mettre une grande planche. Vous allez faire quatre pieds, quoi. Ouais. Et on va mettre une grande planche et puis voilà. Pas une vraie maison grande. Non, une petite cabane, quoi. Ouais. Bah, c'est dur à faire tenir dans l'eau. Ah oui. Sinon, on l'a pas mis encore. Ouais. Mais là, vous allez bientôt arrêter, hein, puis, parce que sinon, il va faire froid, là. Ah oui. Ah ouais. Vous n'avez pas froid dans l'eau, là? Non. Non, il s'éclate, les gamins. Elle est froide. Ah ouais. De toute façon, on a tellement eu chaud toute la journée que voilà. Donc voilà, le petit cadre que j'aime bien. Cyril qui a bien progressé à la gratte. Hein. Et d'ailleurs, une petite guitare qu'on vient nous offrir. C'est Jérôme. Coucou. Jérôme Coucou. Voilà. Et Céline qui nous ont offert la guitare. Merci beaucoup. De rien, le Gaulois. Ouais. Il manquait une corde, ça tombait bien, on en avait une. Bon bah ben voilà, nickel. Bon, lui, le randonneur, je sens que dans pas longtemps, il va s'acheter un petit camtar. Ah, c'est obligé. Bah, c'est le but, là, il part aux vendanges. Voilà. Je mets un petit peu de thunes de côté, et puis c'est parti, mon père. Permis, camion, punk à chien, c'est parti. Voilà, comme Léa. Bon, voilà, toujours des poteaux, quoi. Et Sab, toujours dans ses attrape-rêves. Bien sûr. Ah ouais. Oh, oh, oh. Attention, hein, la cadence. Cadence. Ah bah, les cadences infernales. Allez, vas-y, Johnny. Vous arrêtez de chanter quand je filme. Bravo. Allez, Jérôme et Cécile. Oh, Cécile, on t'entend pas là. Elle vient de là, elle vient du blues. Ouais, mon père, tu sais, elle vient de là, elle vient. Non, c'est pas ça. Allez, filles. C'est relou. Nous, on se chie, nous. S'il te plaît, t'es gentil. Mais nous, on a notre série Netflix. Alors, lâche-nous avec ton blues. Bon, ben voilà la petite soirée. Bon, ben voilà la petite soirée poteau. Hein? Avec la famille, frère. Bonjour. Ça va? La forme? Très bien. Bonjour Stéphane. Salut. Mon père Marco. Jérôme Coucou. Ouais. Ouais. La petite Céline. Céline. Non, Céline Queque. Céline Queque. On s'en fout. Mon petit Cyril, avec la récup de c'est quoi ça? Du lard mariné, quoi. Du lard mariné. Oh bah voilà. Bon bah voilà, encore une petite soirée sympa. Voilà.
Ouais, nickel. Un petit pastis. Ouais, bah il est pas là. Avec la cousine. Arrête, tonton. Bon bah voilà la petite soirée. Bon bah voilà la petite soirée poteau. Hein. Avec la famille, frère. Bonjour. Ça va? La forme? Très bien. Bonjour Stéphane. Salut. Mon père Marco. Jérôme Coucou. Ouais. Ouais. La petite c'est Céline. Céline. Non, Céline Queque. Céline Queque. Oh, on s'en fout. Mon petit Cyril, avec la récup de c'est quoi ça, du lard mariné quoi. Du lard mariné. Oh bah voilà. Bon bah voilà, encore une soirée, une petite soirée sympa. Ouais, nickel. Un petit pastis. Ouais, bah il est pas là. Avec la cousine. Arrête, tonton. Bon bah voilà. Des abonnés qui sont venus nous voir. Céline. Céline. Et Jérôme Johnny. Jérôme Coucou. Et là, ils viennent de dire, oh, le chaudron en vrai. C'est magique. Ouais, le vrai. C'est autre chose que bien. Derrière la vidéo. Alors là, il chauffe bien, alors que franchement, il n'y a pas besoin vraiment de chauffage. Ça réchauffe, c'est agréable, non, c'est détente. C'est bon, tu diras après, Manu. Voilà. Avec c'est la super. Famille, les potos, Lily qui dort. Qui s'endort. Qui est censé s'endormir. Ouais, mais pas qui dort. Ça va? C'est bien? Chaudron? Ouais. Jade. Aussi, on a mis plein de bois. Tu te rappelles de ma blague de Toto? Oui. Ah, t'es sûr? On a mis plein de bois en plus. Ouais, ça chauffe bien là. Oh là, on va se reculer même. Voilà les bonnes petites soirées, tranquillou la famille. Cool, Raoul. Ça, c'est là. C'est ça, dans le cœur. C'est vrai. Au bord de l'eau, avec Obélix. Eh ben attention, hein. Lui il est toujours là, Obélix. Hein. Prêt à démarrer. Bam. Voilà, des bonnes soirées, tranquillou quoi. Et bien là. Bon bah ça y est pour ce petit spot, nous sommes prêts à repartir. Voilà, on a tout rangé, tout est nickel, avec les faux fileurs qui vont nous suivre. Bon, on a eu le droit à monsieur le maire, hein, encore une fois, qui est venu nous voir pour nous dire c'est un étang de pêche, c'est pas fait pour la baignade, c'est pas fait pour le camping. Bon bah encore une fois, moi il y a de l'eau, je me baigne quoi, c'est tout. Et là je viens de passer au moins une bonne vingtaine de minutes dans la rivière qui est là-bas. Là-bas, là, derrière la poubelle, qui est super gelée, parce que là, il fait un cagnard, mais de chez cagnard, c'est la canicule. Donc, pour reprendre la route, on a environ un peu plus d'une heure de route. Donc, je vais reprendre la route, tout détendu, zen, frais, impeccable, ça fait super du bien. Allez, hop, c'est reparti pour nous. Vous êtes prêts? On est ready. Are you ready? Allez, c'est reparti avec mon petit copilote qui s'est éclaté le pied, le pauvre. Ouais, ça fait mal. Ouais, carrément, c'est mis une bûche sur le pied. Attends. Bah, c'est ça d'être bourré. Tiens, regarde comment je suis tout frais. Tiens, oh, fais un câlin, gars. Ah, oh, ouais, j'adore. Il n'y a que Andrea qui a eu le courage de venir dans l'eau fraîche avec moi. Hein. Ouais. Bravo. Bon, bah, nous voilà rentrés chez nous. Bah, dis donc, c'est le squat ici. Hein. Il y a du camion partout. Vous êtes trompé, la gauloiserie, elle a pas commencé, hein. Ouais. Ah, on a retrouvé notre petit Liam. Enfin. Oh, bah, lui, il est en train de nous faire de la poussière, lui, là-bas. Ouais, bah, nous, ça va être baignade. Oh, merde, on va aller squatter à Croisy, là. Ah, ouais. Carrément. Un peu dur à aller dans l'eau, mais bon. Non, tu rigoles, j'étais hier, je suis tombé dedans comme ça. Ah, ouais. Ah, bah, je crois que je vais y aller, de toute façon. Ça va, toi? Ouais, tu sais que tu nous as pas manqué. Hein. Oh bah c'est cool. Voilà, la maison est entretenue, tout ça, dis donc. Bon, en même temps, l'herbe doit pas trop pousser là. Non, c'est bon, c'est pousse plus. Bon, encore une fois, un départ à l'arrache pour la rivière. On est combien là-dedans? Oh là là. Il y a tout le monde, les chiens, les animaux, les humains, les enfants derrière. 17, 18. 18 ? Oh, il y a 18 ! 18 dans le camion, non mais... N'importe quoi ! Plus fort que les migrants ! Bah, ça va, on va pas loin en même temps. Passe la vitesse, ça marche mieux. Ah, j'ai chaud ! Ouais, la première. Bon, bah, je suis en train de filmer, j'en suis à 8, 9, j'ai arrêté de filmer. 9 personnes, 10,
Ah bah il y en a qui sortent dehors. 11, bon bref, on verra à la fin. Ça a l'air vite. Tout ça en ligne. Je l'aime. Oh, voilà, allez, c'est bon. On est pas bien là, mon père? C'est cool, hein? Elle est cool? Yeah, man! Bon, ça fait 3 heures qu'on attend que Andrea saute de sa branche. Andrea, tu commences à nous faire chier là! Tu sautes ou tu sautes pas, merde! Arrête de faire ton intéressant! Pas possible ça, hein? T'as déjà sauté tout à l'heure, saute, allez! Alors, l'espèce de corbeau en noir là-bas, c'est Andrea. Là, au bout de mon doigt, là. Voilà. Bon, tu y vas ou quoi? Ah oui, l'asticot que tu vois au bout là. Ouais. Non, mais moi j'ai zoomé, regarde. Regarde, j'ai zoomé, regarde. Ouais, moi. Non, mais je peux pas zoomer, moi. Et ben moi j'ai eu du mal à y aller, mais au final ça fait trop du bien. Bah normal, hein, il fait chaud, il fait super chaud. Non. Donc voilà, l'eau est très fraîche, mais elle est bonne. Enfin, elle est, non, elle est pas bonne, elle est très fraîche, ouais, elle mais est elle est belle, quoi, elle est propre. Elle est bonne, elle est, ouais. Elle est bonne. Elle est bonne quand même. Ouais, bah, Pauline, tu peux parler, toi, tu y as été ou pas? Non. Non, mais elle. Vas-y, saute, t'as pas de couilles. Ouais, ouais, tu y as même pas été, toi. T'as un gros plan. Bon, encore une bonne équipe de vainqueurs. La petite rivière de Croisy qu'on aime bien. Quoi? Pauline? Pauline? Elle t'appelle, Léa. Bon, allez, attention maintenant, c'est à l'étape de Violaine de sauter. En fait, honnêtement, quand on filme d'ici, on a l'impression que c'est pas haut et tout. Mais quand on est sur la branche, bah, ça fait un peu flipper. Allez, 1, 2, 3. Et voilà, c'est ça, c'est comme j'adore. Bravo, bien joué. Donc c'est reparti, tout le monde dans le camion de punk à chien. Hein. Non mais franchement, Léa nous a fait une peinture, mais elle est sérieuse là. Ouais, mais il est super beau. En fait, on croit que le camion il sort de Freddy les griffes de la nuit là. Mais non. Bah si, regarde, attends. 18. Oh là là. On croirait saut. J'aime bien. J'aime bien. Bah c'est normal, t'es un punk à chien toi. Pareil. Bon, bon écoute, après c'est son camion, fait ce qu'elle veut. Oh la gueule. Bon, on va remonter encore à 18 là-dedans là. Ah bah ça y est, le camion qui roule à l'huile en plus. Bravo. Bon par contre, ce qui aurait pu être bien, c'est que t'aies ton permis, non? Je viens de l'acheter. Ça aurait pu être bien. Bon bah voilà ce que ça donne, du grand n'importe quoi, il y en a partout. Il y en a en dessous là-bas, il y a le chien, il y a Elios. Elios, attaque! Voilà, il y en a partout là-bas. Il y en a partout. On se croirait dans une soirée gangbang, hein. C'est bizarre, hein. Tout le monde est emmêlé là-dedans, hein. Tu pourrais mettre un peu de souplesse dans tes freinages, s'il te plaît. Oh, le punk à chien, là. Non, je veux bien ma gueule. Allez, pas possible, ça. Vas-y, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à venir. Écoute, tonton Roinou. Ah ouais, parce que là, on est pas bien là. Il y a mon propre. On va dire. On va dire. Là, on va dire mon père. Ah bah voilà, elle était faite. Là, il y a Fifi. Hey, moi je sauvegarde mon aventure. Fifi, on va voir partout maintenant. Fifi. Alors là, il y a qui là? Je sais pas. Il y a des clébards couchés par terre. Là, panier, coucou ce panier. Il y a Tutune. Ça va les enfants? Oui. C'est bien la vie de punk à chien? Oui. Oh, Nelly! Pas d'horaire, pas d'école! Oh mon Dieu! Vive la baignade! Vive la baignade! Vive! Ah, la serviette, la serviette, la serviette! Doucement, doucement! Doucement! Fais demi-tour! Ah bah l'école, vive la baignade!
ça va plus. Ouais. Petit chien, président, petit chien, président, petit chien, président, petit chien, président. Ah bah bravo. Ça ça fait deux fois. Bravo. Bravo. En même temps, sans s'attendre, c'est ta spécialité un peu. Bah oui. Ah mais je peux pas sortir alors. T'énerve pas, t'énerve pas. Concentre-toi. Bah d'accord. T'as nous fait des. Elle nous fait des burns. Ah bah bravo le voyage. Voilà le retour, donc il y a déjà Erwan qui est descendu. Donc Léa, ça fait 2. Stéphane, 3. Marco, 4. Allez, à la suite, là. Malicia, 5. Allez, on y va. Andrea, 6. Sophie, 7. Oh, ils sont lents. Hein. 7. Cyril, 8. Matteo, 9. Petit pastis, 10. Ça rime en plus, petit pastis. Petit pastis, 10. Lily, 11. JM, 12. Pauline, 13. Mélissa, 14. Enzo, 15. Et là, c'est encore. Violaine, 16. Elios, 17. Et ça y est? Bah, je pense que tout le monde est sorti. Non, tout le monde n'est pas sorti. Il reste qui là? Ah, bah non, il en reste encore deux. Alors, non, attention. Trois. Attention, Jade. 18. 18. Liam, 19. Emano, 20. Bon, je précise, on est allé vraiment pas loin. Il y avait quoi? Il y avait 4 km. 4 km pour aller à la rivière. Et c'est comme ça la vie à la campagne. On prend que des routes de campagne. C'est à la mode cool. Voilà, c'est bon. Hein, c'est bon. C'est comme ça la vie des Gaulois. Allez hop. C'est où ma nouvelle femme? Donc voilà. Bon, petite soirée posée devant les étoiles. Regardez les étoiles filantes, les satellites et tout ce qui s'ensuit. Le problème, c'est que sur la vidéo, on peut pas filmer le ciel. Ça marche pas. Non, ça marche pas. Et tout ça, bah, c'est juste rien que pour nous. Bon, bah, quand c'est canicule. Comme Lily. On trouve à s'occuper comme on peut. Hein. Ouais, allez pas vous péter un poignet. Hein. Bon, heureusement qu'il me restait de la bâche agricole. Allez, fais-nous une belle glissade avec de l'élan. Faites toutes les trois. Attention. Bon, voilà, encore un camp de Gaulois qui s'est installé ici. Bon, bah voilà. Alors, il y en a qui font rien. C'est pas mal aussi de faire rien. Il y en a qui se font des coupes de punk à chien. C'est Sophie, la reine de la couleur. Naturelle. Vous savez, la famille de Martiens, là. JM, on va lui faire la petite barbiche, là. Ah ouais. Ouais, petite barbiche bleue, là. Ouais, allez. Ah ouais. Ouais. N'oublie pas de lui faire le bout du nez, aussi. Oh non. Alors, mon JM, attends. Allez, ça fait quoi de se faire masser la barbe? T'aimes ça, plaisir, hein. Ah, t'aimes ça. Hein. Ah, puis regarde-le. Puis Sophie, elle aime bien. Hein. Regarde, elle aime bien. T'aimes bien ça, masser les barbes. Et la tienne, mon Bruno. Ma tienne, la mienne, quoi? Tu parles de quoi? La barbiche. Ah, maintenant, elle est trop courte. Ah, t'as les doigts qui puent la cigarette. Enzo, il s'est fait le punk à chien, en bleu. Bon bah Pauline c'est déjà fait, le père il est timide, hein. Il s'est fait des petites mèches blanches et tout. Ouais mais faut que je décolore mais j'ai pas le problème. Non puis t'as pas envie d'avoir l'air d'un con. Ouais ça voilà, t'as raison. On va dire ça comme ça. Ah mais dis donc ils sont appliqués. Hein. Attends regarde, bah oui t'as quand j'ai un petit milieu. Il fait la raie au milieu. Allez Nadia, tu cours un plat ventre là. Sauvez Willy, sauvez Willy! Sauvez Willy! Et Manon?
Il faudra en mettre là-haut. Ah voilà, là c'est bon, ça va glisser. C'est bon, c'est bon. Avec un peu d'eau et là t'es au top. J'ai vu une tortue passer. J'ai un caillou qui m'a tapé dans le dos. Je savais que ça devait venir. Le vieux plongeon pourri qui nous a fait trop mal. On met de l'eau. Il faudra une mousse. On met de l'eau. Relève-toi. Ça fait pas le même effet quand c'est les enfants. Ah ouais, c'est clair. Il y a trop de poils. Je crois que vous tombez trop haut aussi. Attends, Enzo, je filme Juanou. Enzo, je filme Erwan. Ah ouais, tu risques pas trop, hein. Oh là, il va doucement, hein. Bah, viens nous le faire, Ned. Non. Mets-le en haut, mets-le en haut, va courir, ça va avoir du temps. Oh, oh, oh non. Oh non. Ah ouais, mais ça, c'est bon, mais non. Oula! Bon, bah, il fait tellement chaud qu'on est reparti pour la rivière, hein, parce qu'il y en a marre. Là, on n'en peut plus, il fait lourd, de chez lourd. Attention à mon arbre! Donc, la punk à chien sort son camion, on va prendre une voiture, et voilà. Il y a encore du monde qui est arrivé, il y a la grand-mère de Violaine, le grand-père. Non, la mère. Il y a. Ah merde, la mère. La mère de Violaine, le grand-père, le père. Il y a aussi Romuald de Tiercelet qui est un abonné qui nous suit, mais assidûment, un truc de ouf. Ah ouais, lui, il est super, voilà, il suit tout le monde. Voilà, un mec super gentil, encore une fois. Il y a la sœur de Violaine, donc on va aller tous à la rivière, tranquillou, se faire un bon petit bain, se rafraîchir, redescendre en température, parce que là, ça chauffe dur. Bon, on est reparti en mode punk à chien à la rivière, hein. Avec Romuald Tiercelet qui est venu nous voir, un abonné qui nous suit depuis longtemps. Et ça, c'est bon, ça. Des vrais. Je vais faire des vidéos si j'ai pas besoin. Alors, en fait, il faut qu'on batte le record d'hier. Hein. D'hier, on a fait 18. Non, 20 avec les chiens, les tricheurs. Là, on parle d'humain. Ça va, toi? Ouais. Répétez pas, les gars. Alicia, ça va, Alicia? J'ai chaud. Faut pas qu'Enzo y pète, hein. Tu pètes pas, Enzo. Allez, vas-y, goule. Vous l'avez raté ou pas? On l'a pas pu. Allez, c'est parti, un peu caché. Attends, la porte de derrière est ouverte. J'ai l'impression que le copilote, il est... ça va, il a bonne place. Hein. Vous l'avez Mathéo qui voulait venir, il est là. Mathéo, est-ce que c'est bon? C'est bon, tout le monde est là. Est-ce que Mathéo? Tout le monde est là. Fermez la porte. On refait la même vidéo qu'hier. Hein. Donc on était 1, 2, 3 avec moi, 4. Allez. 5 petits pastis. 7 Enzo. 6. 6. 7. Merde. Stéphane. 8 Sophie. 9 Malice. 10 Serge. 11 JM. 12 Romuald. Faites du bruit pour Romuald. Wow. 13 Liam. 14 Mano. 15 Marco, 16 Melicho, 17 Lily, on a battu les migrants, 18 Mélissa, 19 Jade, 20 Pauline, 21 Andrea, et 22 Violette, non, et encore 23 Mathéo. Et les chiens. Et regardez ce que ça donne. Vive les punks à chiens. Ah, il y a encore les chiens. Nous ne sommes pas des punks à chiens, pas tous en tout cas. Mais non, t'es déjà venu toi, l'autre. Il a fait le tour. T'as même pas pris la Ricard toi, alors t'es un tricheur. Avec Helios, 24. Impressionnant. Bon, alors là, attention, il y a du monde qui est arrivé chez le Gaulois. Il y a des voitures, des camions partout, il y en a partout. Il y a un bus là-bas au fond, il y a Obélix à droite, il y a encore une voiture ici. Je crois que la gauloiserie, la pré-gauloiserie a commencé. Il y a un camping-car là-bas et là, on va tous au coucher de soleil. Parce que franchement, je crois qu'il va faire... Le coucher de soleil va être... Tiens, il y a Père Nono. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui. T'étais où, toi? J'ai cherché mes lunettes de soleil. Wow! Et regardez ça un peu.
Là, regardez la lumière. La lumière qui est là, orange. Et le petit coucher de soleil là qui va être bien sympatoche. Franchement. Nono qui s'est cassé la gueule. C'est un blond. Voilà. Je pense que la gauloiserie a commencé une semaine avant. C'est ça. Il y a plein de monde. Il y a Jackie et sa femme Martine qui sont venus là. Il y a Mario et Patricia. Oh putain, la mémoire. Qui sont venus nous voir. Il y a Romuald qui est là. De Haute-Savoie. De Haute-Savoie. De Haute-Savoie, la famille. Calme-toi, toi, là-haut. Mon vélo. Mon vélo. Il y a Pauline. Ouais. Bon, on la connaît déjà. Elle est déjà sur les vidéos. Et il y a surtout un super. Ah merde. Ah merde, des nuages. Merde. Ouais, c'est pas grave. Attention, les survivalistes en action. Hein? Non, à l'ancienne, carrément. Ah bah ouais, bah c'est vieux. Ah, c'est vieux. Hein. Ah, c'est bon. C'est juste avant aussi. Les... T'as le coton? T'as tout ce qu'il faut? C'est ça le tueur. T'as un gamme? Non, regarde. T'as le carton, messieurs, le carton. Ah, ça marche, hein? Bah, évidemment. Sans briquet, rien. T'es capable? Bah ouais. Ça, c'est bien, ça. Tu lâches tout, ça, ton truc, là? À l'ancienne. Moi, j'ai pris sur Natura Bay. Ok, ça c'est une fois que j'en achète ça comme ça, parce que des briquets des fois c'est, un peu c'est excellent ça. Et juste alors, regarde, du coton, regarde, et puis ça coûte pas cher. Ah oui, hein. Un voilà. Petit bout de coton, un petit bout de bois, et hop c'est parti. Il y a assez de bois, je vais te dire que ça va être trop plus. Bon ben bah, petit pastis, il a récupéré un petit panneau solaire. Ah les gars, hein, excellent. Ah, super, ouais, franchement. Alors ça. Merci à Mario et Patricia qui sont là-bas. Le grand bus, hein, c'est cool. Ça c'est des camtars. Avec plaisir, ils sont super gentils. Ah, impressionnant, oh, là, là, là. Impressionnant. Voilà, il n'y a plus qu'à installer ça. Bon, ramenez le pastis quand même. Ah oui, parce que, pour faire chauffer avec le panneau solaire, faire chauffer le pastis. Impressionnant, sérieux. Le pire, nickel. C'est ça. C'est une nouvelle génération. Voilà, il y a la suite qui arrive, le câblage et tout, voilà, le MPPT. Voilà. Merci Mario. Oui. C'est cool. Le porte-fusible avec. Le porte-fusible et tout. Voilà. Bah, excellent. Il n'y a plus qu'à là. Bosser, installer et tout. Bon, hein. Bah écoute. Bon, bah, les gars, vous aurez du boulot. Voilà. Hein. Bon, bah, moi, je pars demain. C'est ça. Moi, j'ai le feu passif. T'inquiète, en fait, plus tu ramènes de monde, plus il y a des compétences et il y a tout ce qu'il faut. Moi, je pars demain, donc je suis en c'est ça, impeccable. Je l'ai démonté, mais je ne saurais pas le remonter. Oui, ça va se faire, ça va se faire, ça va se faire. Ouais, je vais te monter tout ça. En plus, il nous reste du câble. Bah, tu montes d'abord, tu me bragues. C'est un peu trop cool. Oui, est-ce que pour ma vidéo, tu peux pleurer si je vais pas te monter tout de suite, en tout cas, ça c'est sûr. Je te montrerai quand ça attends. Marchera. Ah, mais il est con, lui, il prend mon pastis pour pleurer. Merci, les gars. Oh, tiens, j'ai les dents du sang qui pousse. Non, mais ça, voilà. Tu bah vois, ouais, ça, c'est gentil, c'est super. Énorme, ouais. Énorme, quoi. Énorme. De l'occasion, non, ça, enfin, c'est bon. Non, quand je dis énorme, il est pas gros. Hein. Non, il est énorme. Il est énorme. Voilà. Oh, il est énorme, c'est énorme. Ça, excellent. Excellent. Alors, si vous avez des bouteilles de Ricard... Par contre, tu dis merci à Mario, mais Patricia... Bah ouais, Patricia aussi. Ouais, hein. Ah ouais. Viens, je te fais un gros bisou. Allez, toi, tu peux. Je mords pas, j'ai pas de dents. Merci. Ah, vous êtes des gens adorables. Arrêtez vos conneries, il va falloir que je mette moins de 18 ans sur mes vidéos maintenant. Par contre, aussi quand on appuie, quand tu appuies sur le bouton, la porte s'ouvre, puis il y a une bouteille de Ricard qui sort. On appelle ça un doseur. Alors si vous avez des doseurs... Tu sais, la, en fait, la meilleure énergie, c'est celle que tu n'utilises pas. Ah, merci. C'est vrai. Beaucoup, hein. Ouais. Ah, non. La meilleure énergie, attends, c'est celle que tu utilises. Non, il y a une arnaque. Il n'y a pas le capuchon, là. Ah, ben ça, alors. Ça, ça s'appelle les négawatts. Les négawatts. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais oui. Il n'y a même pas le bouchon. Bon, là, encore une petite soirée chaudron, hein, avec plein de monde. Je sais même plus qui est qui. Je sais même pas qui c'est qui. Hein. T'es qui, toi? Ah, moi, je suis personne. Ah, voilà. Bah, je suis lui, je sais même plus. Lui, je sais pas. T'es qui, toi? Je sais pas non plus. Voilà, en fait il y a plein de monde. On sait même pas qui est là. Bonjour mademoiselle, vous êtes qui? Voilà, personne sait qui il est. C'est ça. Moi c'est Carpediem, moi. Ouais. Ah, il y en a un qui sait quand même. La seule qui boit pas, elle sait qui elle est. Et toi t'es qui toi? Moi je sais pas, j'ai vu du feu, je suis arrivé. Ah, il y en a partout, il y a de la bouffe, il y a du feu, il y a de l'amour, il y a de la joie. Mon petit nous, Steph. On est passé par là et on a coloré tout le monde. Alors ma petite Zedix à l'huile. Ah nickel. Bah ça marche bien. Franchement, je recommande. Il y a toute la famille ado là. Hein, Lily, Andrea, Mano, Matteo. Ah, il y a les punks cachés qui reviennent. Ah non. Non, non, c'est ça, c'est le, la petite coupure sous le pied.
Il y a le camion de petit pastis avec les filles qui dorment tranquillou. Faites quoi les filles? Faites quoi? Ça arrache la tronche, mon truc. Ça arrache la tronche, mon truc. En fait, c'est que la c'est la chaise à côté de Malicia, ça pour tout le monde. Bah ouais. Mais avant, Lily, elle a tout fait un bip bip, c'est ma place, elle a tapé. Oh, commencez pas à vous embrouiller, hein. Si t'as pas de chaise, tu t'assois par terre, c'est pas grave. Mais non, mais en fait, elle veut tout le temps s'asseoir à côté de moi. Oh, les gamins, toujours en train de s'embrouiller. Pas possible, ça. Non, mais on s'embrouille pas. Là, il y a Sophie. Ah, là, il y a Patricia. Ouh, yeah, man. Les petits pastis. Encore une fois. Bon, voilà, une bonne équipe de vainqueurs, hein, comme ouais. On dit. Ah, bah ouais. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Un bon petit chaudron, comme d'hab. Bon, nous revoilà encore en mode squat. Hein. Je ne sais pas combien on est. Bon, Pat et Mario qui nous ont rejoints avec le bus depuis hier. Et là, ils vont goûter à la rivière. Ah bah, ça va faire trop du bien. Et on a aussi en plus Jackie et Martine. Ouais, ne pas confondre avec Jackie et... Voilà. C'est pas pareil. Bon, voilà, c'est un petit pique-nique bien sympa. Apéro, baignade, pique-nique. La classe. Bon, la pré-gauloiserie a commencé. Hein. Il y a des guitares, il y a du monde, il y a des bonnes âmes. Les meilleurs du monde. Et il y a surtout un club de travelots là-bas. Les gamins nous ont fait un déguisement. Alors Enzo, t'envoies du lourd. Franchement, Enzo, t'envoies du lourd. Ah, Pauline, pas mal. T'as fait voir, toi? T'as dit qui, toi? Chat noir. Et moi, la reine des neiges. La reine de quoi? La reine des neiges. Et toi, Jade? Anna. T'es Anna, toi? Et toi, Liam? T'es Blanche-Neige? On est les deux sœurs. Ah, t'es belle, Pauline. Hein. Oh là là. Tu veux bien m'épouser? Bon, voilà, il y a plein de monde et puis voilà quoi. Bon, nous voilà partis pour un convoi hyper exceptionnel. Un truc de malade. Nous partons à, je crois, 7 ou 8 véhicules, un truc comme ça. Dont 2 bus. Ouais, je vais l'aider, t'inquiète. On va sortir le gros bus là-bas, PR14, le nôtre. Alors, on va retenter pause. Vous savez, le spot où on avait eu les gendarmes et les flics et les gardes de pêche. Bon, on verra bien comment ça se passe. Hein. Et puis, bon, on tente ça pour 2 jours, histoire de reprendre l'air un petit peu. Et après, comme ça, on ira à, comment ça s'appelle? Après, on viendra, là, on est lundi. Donc, on y va mardi, on revient mercredi. Oh, je parle! On revient mercredi, et comme ça, on a mercredi, jeudi, vendredi pour préparer la grosse fête. Voilà, allez, bisous! Bye bye! Ça va être le convoi exceptionnel, là, ça rigole pour vous. Le gros bus derrière, le mien. Bon, voilà le beau PR14 en route. Attention, ça rigole pas. Waouh, la classe. Bon, il va falloir ressortir. Hein. Non, t'inquiète. La classe à Dallas, dans le palace. Fait un beau bruit. Hein. Un beau petit bruit. Hein. C'est un bruit de car de tourisme. Bon, nous voilà partis pour pause, donc avec 8 véhicules. Le bus qui est devant, Obélix, avec mon nouveau copilote, Petit Pastis. Ah bah oui, et puis ça va rouler. Ah, ça y est. Et regardez-moi ça, la troupe de vainqueurs. 1, 2, 3, 4, 5 camping-cars. Non mais oh, on va encore se faire jeter, ça c'est sûr. Hein Ah là, Léa qui m'appelle. Voilà le petit convoi de tout le monde. Les vieux camions, c'est ça qui est bon. Que de la vieille ferraille, c'est les meilleurs. La vieille ferraille. Hey. Ah, c'est con, il n'y a pas de mien. Ouais, un petit pastis, ah, ouais. Bah tant pis. Ah, il est là-bas, regarde. Ouais, là-bas. Il est abandonné, il est en train de pleurer. Ouais. Voilà. Donc tout au bout, il y a Alex et Bijou. Alex et Bijou, après il y a derrière Alex et Bijou, on a je sais plus qui. Alex et Bijou, je sais plus. Ah, les faux-fileurs. Après, on a les Carpe Diem. Ensuite, on a Cyril et Violaine. Ensuite, on a JMD Tech. Allez voir la chaîne de JMD Tech. Une chaîne de pêche allemand.
le Gaulois et le beau-père 14 de Mario et Patricia. Ça rigole plus là. Ah, petite vision du convoi. Bon, on voit pas très bien dans le rétroviseur, hein, mais bon, c'est bien sympa à voir. Des fois, je regarde ça dans le rétro là. Ça en fait un paquet de camtars. Bon, on fait une petite pause à Fleury-sur-Andelle pour aller à la poste, poster tous les attrape-rêves. Bon, bah, ça fait un sacré convoi quand même tout ça. Tous ces véhicules là. Ouais, bah oui, hein, faut bien les poster les attrape-rêves. Hein. Ils vont pas aller tout seuls chez les gens. Ah, petite pause. Et puis c'est reparti pour pause, les étangs de pause. Bon, ça y est, nous voilà arrivés sur le petit spot bien sympathique. Bon, bah, direct, c'est baignade. Hein. Elle est super bonne, l'eau. Là-bas, ils font les batailles. Donc, moi, je me suis mis là, comme l'autre fois. Erwan, il s'est mis là. Mario et Patricia, ils ont réussi à se caser là-bas. Romu, ça y est, il a monté sa petite tente, tranquillou. Et puis bah après on a les autres copains qui sont là-bas. Ça, tiens, regarde, il y a des sous, dis donc. Début de la fortune, 50 centimes. Bah je sais pas. Voilà, et puis bah, les autres camions sont là-bas. Il y a, comment il s'appelle, JM qui est reparti pour aller chercher Iris au vétérinaire avec Léa. Donc voilà, voilà. Bon bah si on se fait pas jeter, on sera bien. Mi-ombre, baignade, tout, voilà quoi. Trop bien quoi. Bon, voilà le petit spot du jour. Hein. Je pense qu'on s'est bien installé là. Il y en a qui vont dormir ici. C'est Fifi et Marco. Ils ont mis leur hamac. Ils vont dormir là, tranquillou. En mode bushcraft. Nickel. Là, il y a le camping-car de Bijou et de Alex. Les carrément, ils ont étendu leur linge. Hein, tranquillou, on est bien là. Non, on va aller chercher un petit peu de bois. On a trouvé du bois mort pour faire le petit chaudron. Le camping-car de JMD Tech. Vous pouvez le suivre sur YouTube, c'est marqué sur le camion. Suivez-moi sur YouTube, JMD Tech. Ah là, vous pouvez pas louper. Et voilà, le camion de punk à chien de Léa, hein, avec sa super peinture personnalisée. Voilà, elle nous a fait un truc à sa sauce. Avec, je sais plus qui c'est qui lui a fait le beau drapeau pirate, là. Pas mal fait, hein, franchement, super bien fait. Le grand bus de Mario et Patricia, qui est là. Et sinon, ben nous, on est posé juste là. Tranquille. Romuald, il est là avec sa tante. Là, il y a Obélix. Là-bas, il y a Erwan avec son Iveco. Alors lui, il est au bord de l'eau. Là, il y a toute la troupe de vainqueurs, là. Bon, faites un coucou, les vainqueurs, là. Voilà. Ouais, bah, tout le monde, vous faites coucou à tout le monde. Et là, Jackie, Michel, et Martine nous ont rejoints. Et là, tout le monde est dans l'eau, bien sûr. Hein. Bah, on profite à fond. Hein. Elle est même trop chaude, elle rafraîchit même pas cette eau. Bon, bah, venez nous rejoindre à partir de demain, éventuellement. Pas trop de monde parce qu'il n'y a plus beaucoup de place. On va encore se faire jeter comme d'habitude, mais bon. Il reste quelques petites places, quoi. Bon, voilà la petite soirée bonne franquette qui se poursuit hein, avec les poteaux, la famille, au bord de l'étang, comme d'habitude. Alors là, il y a tout le monde qui est partout, ici, machin truc. Je prends mon verre et je vais aller visiter l'arrière-cour là-bas, parce que je crois qu'il se passe des trucs là-bas. On va aller voir ça. Sinon, ça va, nous avons les moyens de vous faire parler. On va aller voir ce qui se passe par là-bas, dans le reste du camp. Alors, on doit avoir 10 pastis dans un coin. Ils sont où? Mais ils sont où? Ah, là, il y a quelqu'un qui est au bord du chaudron. Ah. Allô? Je fais un tour du campement. Allô? Allô? Alors ici on a qui? Bah on a mon petit pastis. Voilà. On a mon petit Marco. Autour du feu. Ils nous ont fait cuire des saucisses et tout, mais eh, franchement, au top du top. Même pas venu autour du chaudron. Bah ouais. Bois une petite gorgée de pastis, je vois que tu transpires. On vous attend puis tu te rafraîchis. On vous attend puis tout à l'heure. Fait trop chaud. Merde. Ah bah t'en as deux du coup, deux pour le prix d'un. Oui, moi j'attends Erwan, la guitare, l'antenne. Ah mais bah attends, chaque chose en son temps. C'est ouais. On est bien là. Et ma pauvre petite Fifi, regarde-moi ça, attends, elle ressemble à rien la pauvre. Oh le lampadaire. Oh le lampadaire. Elle éclaire pas beaucoup hein. Ouais, ma pauvre petite Iris qui s'est fait opérer de l'utérus, qui s'est fait une infection à l'utérus. Bon bah écoute, on n'a pas eu le choix. J'ai laissé traîner, et puis du coup bah c'était un petit peu urgence. Donc voilà, mais ça va mieux, tout va mieux.
Avec la petite Junette. Moi c'est pareil. J'ai tiré la nuit, mais ça. Ouais ouais, ça va mieux. Bon voilà, bah je pense que là-bas il y a personne. Bon bah voilà, je pense que là-bas il y a personne à filmer. Le camp est toujours le même. Bref, des bonnes vibrations, des gens sympas, détendus, cool, relax. Kiff la life. Kiff ta life, mon père. À tous les abonnés, voilà, nous sommes bien posés, tranquilles aujourd'hui, regardez, avec ce beau soleil de pause. Voilà. Et voilà, Patrick qui est venu nous rejoindre. Voilà. Donc nous on est passé de... Ça va et toi? Bien dormi? Oh oui. Nous sommes passés de 40 à 41. On était combien hier là? Beaucoup. Je sais plus combien, ouais, on a compté, on était dans les 34, 35, ouais, je sais plus. Avec les enfants, ouais. Ouais. Bah franchement il fait toujours aussi beau, donc on vient de se baigner tranquillou, on a fait la vaisselle dans le lac, comme d'hab, hein. Voilà, toute la vaisselle est prête à repartir pour le repas de tout à l'heure, nickel, les enfants, bah ça se baigne, bon Erwan il a encore choisi la meilleure place, hein, bien sûr, on voit Dia est dans l'eau, ça va Dia? Ça va? C'est à cette heure-là qu'on se lève? Bravo! Ouais, Erwan, il a vraiment choisi la meilleure place, hein, tranquillou. Comme d'hab. Ouais. Face à la mer. Quoi ? Bah, eux, carrément au savon. Allez, hop, c'est parti. C'est du savon de Marseille. Ouais. C'est du savon de Marseille, hein. C'est ça. Bah, non, jamais. Et puis, là, on va aller se faire la petite balade autour du lac. Il y a un petit lac. Pour ceux qui sont motivés, on va aller faire la petite balade. Je vais aller faire le tour du camp, savoir qui c'est qui veut se baigner. Faire la balade, je veux dire. Allez, bisous, bisous, puis ma pauvre Iris. On l'a récupéré enfin, ma petite Irisounette. Qui nous a fait une infection de... Je sais plus si je l'ai déjà dit dans les vidéos, c'est pas grave. Qui nous a fait une infection de l'utérus, dis donc. Alors, elle a commencé à... En fait, depuis 2 semaines, facilement. Elle perdait un liquide marron, un truc bizarre de la foufounette, là. Donc, je me suis dit, bah, c'est peut-être des règles qui traînent, et puis machin. Et puis bah au final elle a commencé à perdre du poids, donc là je me suis dit bon elle va peut-être s'inquiéter. Et je l'ai emmené au véto et ben c'était pas loin qu'elle passe l'arme à gauche comme on dit. Parce qu'elle avait l'utérus complètement infecté. Et alors je me demande si c'est pas dû aux piqûres qu'on lui avait fait quand elle s'était fait prendre par un chien en Espagne, là, un chien de la casse. D'ailleurs cette vidéo elle avait bien fait rire tout le monde. Où j'avais retrouvé Iris et un chien vagabond là collé. Et du coup, pour pas avoir les petits, parce que laisse tomber dans le bus avoir 10 chiots, c'est même pas la peine. On lui avait fait la piqûre là pour tout annuler. Et je me demande si c'est pas ça aussi qui a joué. Et, comme par hasard, après il y a un problème d'utérus. Bon bref. Donc là, elle est en convalescence, la mémère. Obligé de garder la collerette pour pas se gratter. Oh mon fifi, c'est dur. Hein. Et puis voilà, elle a des bonnes croquettes. On fait attention à elle. On la met à l'ombre. Elle a de l'eau, elle a tout ce qu'il faut. Mais elle peut même pas se baigner. C'est dur, ma fille. Mais ça va, elle a pas mal en tout cas, impeccable. Allez, voilà, c'est parti pour la petite balade. On va se balader ou pas, non? Yeah, vous n'avez pas l'air chaud aussi? On se balade. Ouais, carrément. C'est parti. Bon, il y en a qui se sont couchés à 6h du mat. Ouais, ça va, il est frais. Hein. Bah, les gars, à la bière. Ouais, voilà. Ouais. Et franchement, on va visiter le petit village Bushcraft. J'adore. On n'a pas fait le ménage, hein. C'est passé la tapis. Ouais. T'as bien dormi, mon fifi? Regarde, tu vois. Ici, on prend un petit briquet pour allumer les clopes. Parce que t'as pas le choix. Ah, il n'y avait plus de gaz dans le briquet? Ouais, j'ai perdu mon briquet. Eh ben voilà, on a fait la vaisselle, vous avez laissé des assiettes là, bravo les gars. Bravo. Non, je sais pas. Ouais, Elios il va faire la vaisselle. Ah, Elios, lui, il a chaleur un peu plus. Ah, bah il fait chaud. Hein. Non, mais en chaleur. Ah, ouais, il veut grimper les toutounes. Ouais. Ah, bah il pourra plus grimper la nôtre. Il, hein, il ça, c'est fini. Amoureux. Ça c'est fini. Oh t'es amoureux. Bon ouais. Bon bah, on est encore une belle équipe pour se promener là. Il y en a du monde ici. La colonie de vacances. Bon bah finalement il y a plus en plus de monde qui arrive sur ce petit spot de l'Eripose. Les gendarmes sont venus nous voir. Bah ça aurait été bizarre si on les avait pas vus. Mais franchement, bah, encore une fois, comme la dernière fois qu'on était sur ce spot, gendarmes super cool. En fait, ils sont venus nous prévenir d'une certaine bactérie dans l'eau, là. Bon, après, nous, on avoue qu'il fait tellement chaud que, vas-y, t'as vu, on y va quand même. Et, bah, sinon, franchement, ils ont été super sympas. Juste, vraiment, on a même rigolé avec eux et tout, impeccable. Et il commence à y avoir du monde qui arrive petit à petit sur ce petit spot. J'ai l'impression que c'est la pré-gauloiserie à pause, là.
Donc, ben voilà, il y a les gamins qui s'amusent. Et là, il y a plein de monde qui arrive, un petit peu à droite, à gauche. Il y en a là-bas, il y en a au fond, il y en a là. Il y a l'atelier attrape-rêve là-bas, à droite. Ici. Et puis là, ben, il y a plein de poteaux, les gamins, tout le monde s'amuse. La fête au village, et il y a encore Benny Ben qui arrive, et encore Jean-Jean, un poteau que j'adore. Et Antoine. Et Antoine, en plus, c'est vrai. Il arrive à quelle heure, Antoine? Bon, bref, il y a du monde qui arrive. On a l'impression qu'il y a un orage qui se prépare, ouais, bizarre. Alors on fait gaffe. Il est beau, le nuage, là-bas. Ouais, on fait gaffe parce qu'en fait, il y a un arbre là-bas qui est pété. On le voit pas d'ici, mais il y a un arbre qui est pété, qui tient dans les autres arbres. On va pas le voir. Si, c'est celui qui est ici, là, comme ça, en longueur. Mais on le voit pas très bien, là. Et il tient, en fait, à cheval sur les autres arbres. Mais bon, je pense que ça va le faire. Après, on n'a pas trop le choix, faut dire. Voilà, encore une belle soirée qui se prépare, des bons moments, la pré-gauloiserie a commencé. Et c'est ça qui est bon, la famille. Bon, bah là, je crois que la pré-gauloiserie a commencé. Oh, il pleut, on n'a même pas peur. Oh, bonne minuit sous la pluie. Oh, sodomie sous la pluie! Wow, je te défie d'arriver à faire une vidéo de seulement 2 heures. Ah, pas de problème. Ça va être dur, là, si, il faut que je fasse une vidéo tous les 2 jours. Non, mais franchement, il y a la famille, les poteaux, des gens qu'on connaissait pas il n'y a pas longtemps. Et encore des belles alchimies, des trucs super, des gens super cool. Ferme ta gueule, toi, connard. Non, comme dit Pernod, ta gueule, connard. Ouais. Ah, ta gueule, connard. Non, mais sérieux, merci à tous d'être des gens cool, tolérants, la bonne franquette, la famille, les poteaux. Bah. Plein de camions partout, des gamins dans les bus qui jouent. Oh, merci la famille. Ça, c'est bon, ça. Et pour les nomades, pipi. Pipi. Et pour les gens libres, pipi. Et tout ça sur un cadre magnifique. Franchement, des camions partout. Voilà. Il y en a partout, tout le monde arrive de partout. Franchement, c'est les poteaux, la bonne franquette. Benny Ben qui nous a rejoint avec son camion aménagé. Voilà, il y a des camions partout. Et ça, c'est bon. Il y en a partout, on n'a même plus de place. Il n'y a plus de place. Voilà, voilà, ça c'est cool, quoi. Des bonnes vibrations. Et même avec la pluie, bah, on s'amuse. Hein. Et du coup, comme Benny Ben, la fille de Marseille, est arrivée, on est obligé de boire un petit pastis. Un petit pastaga. Alors là. Je prends le tien. Ah, on m'a piqué mon pastaga. C'est pas grave. Bah oui, mais j'étais en train. Je peux pas tout faire des vidéos et voilà, le barman. Là, voilà, on va servir un petit pastaga à tout le monde. La famille, tout le monde ramène un petit peu. Et ça, c'est cool. Donc qui est-ce qui voulait un petit pastis? Oui, oui, oui. Ah bah. Bon bah il y a des nouveaux qui sont arrivés. Alors ce qui est génial, c'est qu'en fait je les connais même pas, quoi. Ils nous suivent sur YouTube, je sais même pas qui c'est. Ben voilà, mais c'est un truc de ouf. Franchement, le petit camtar pompier là, Et j'adore quand tu t'y attends pas et les gens arrivent comme ça, c'est génial. Avec le gros parbuf et tout. Ah ouais, mais le téléphone. Non, franchement, la classe. La classe. Avec carrément une caravane dessus. Donc là, franchement, c'est intelligent. Ah, nickel. Nickel. Voilà des nouveaux. On commence à être nombreux sur le spot. C'est un truc de ouf, de ouf, de ouf. Ça promet pour la gauloiserie. Je pense qu'on va se retrouver à je ne sais pas combien. Les camarades, allez gueuler, bordel, là, merde. Ils sont où, les camarades?
Oh, Patou, Dédia, la famille, les potos. Là, nous arrivons dans la deuxième salle, beaucoup plus cool. On va dire, on a un mode posé devant le feu. Hein. Avec les poteaux, la famille, quoi. Voilà, c'est ça qui est bon. Hein. Ouais, carrément. On est bien là ou pas? Tranquillou, mon JM. C'est le fil à out de la gauloiserie. Yeah, JMDT avec la famille. Bon, on va retourner voir les punks à chien là-haut. Bon, ben, petit réveil ce matin sur ce camp avec beaucoup de camions où nous allons partir pour un petit convoi bien sympatoche de 14 camions, enfin 14 véhicules. Ça ne rigole plus, attention. Moi, je vais aller mettre mon cul dans l'eau quand même avant de partir, hein, se rafraîchir. Allez, je vous fais une petite vue des camions du toit d'Obélix. Ça commence à bouger de partout. Il y en a déjà qui sont garés là-bas, qui attendent. Le gros camion de pompiers. Fais-nous un petit coup de sirène, là. Ah, il n'y a pas d'air. Il n'y a pas assez d'air encore. Bon, bah le petit convoi qui commence, hein, et il y en a encore plein derrière. On va attendre tout le monde. Et puis, bah voilà, ça va être vraiment le plus gros convoi qu'on a fait. Hein. Voilà le grand convoi de véhicules. Faites du bruit! Faites du bruit! Allez! Wouh! Avec le camion de pompiers au fond! Allez, c'est parti! Bon, bah, du coup, on a un petit peu envahi le parking de l'Intermarché. Nous sommes 12 véhicules. Parce qu'il y a Erwan qui est pas là, il était au Leroy Merlin. Qu'on a un peu squatté le parking là. Tu écoutes, toi? C'est à combien que t'as fait? Voilà, tous les véhicules sont là, il y en a partout, quoi. Avec le camion de pompiers. Excellent. Ça, c'est du convoi. Tiens, bah regardez, un véhicule de plus. Hein? Regardez qui c'est qui arrive. Hey, il balèze, hein. Ouais. Bah ouais, hein. C'est notre nouveau terrain. Ouais. Ouais, vite fait. Et voilà, encore un de plus à la gauloiserie.